Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à tous ceux qui vont se connecter avec nous ce soir sur Sans Tabou. Donc on est là, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Donc on a vu cette semaine la vidéo d'un compatriote gabonais qui réclamait à l'État gabonais son dû, sa rémunération pour les activités menées au sein du pays même. Donc ce monsieur étant reporter. Pour le Gabon, pour la chaîne Gabon 24, donc a signé un contrat de partenariat avec eux pour réaliser des émissions. Et il se trouve que ce monsieur n'a pas été rémunéré dans ce qu'il dit dans sa vidéo, bien évidemment, que l'on va diffuser dans quelques instants. Bonsoir Cédric. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, le sujet aujourd'hui est quand même un sujet qui nous concerne tous, nous surtout. Nous qui sommes dans la diaspora, qui voulons bien aller entreprendre au Gabon, c'est un sujet assez triste et je crois que plusieurs personnes se reconnaîtront dessus. Donc veuillez partager, sentez-vous également libre de donner vos points de vue, encore vos témoignages, si vous avez eu à vivre des histoires pareilles, enfin si vous vivez des situations pareilles. Alors partagez le live et sentez-vous concerné. Merci. Merci Cédric. Bonsoir. Gobam. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde, la famille Sans Tabou, bonsoir aux auditeurs. L'émission est importante, comme a dit Cédric, c'est un sujet qui nous concerne tous en tant que Gabonais. Donc partagez le live, invitez tout le monde et n'hésitez pas à nous rejoindre en direct pour donner votre point de vue. Merci à tous. Merci, bonsoir le génial. Allô? Ok. Bonsoir Armel. Allô, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous les panafricains et les panafricaines. Merci Armel. Bonsoir Danger. Je crois qu'il est là. Bonsoir, chers auditeurs. Du coup, ça. Nous sommes bien là, Tabou, et nous allons parler justement de cette situation très cool. Merci Danger. Gobam, ton micro qui fait beaucoup de bruit. Donc, oh, désolé, bloque-moi ça. J'arrive pas à le fermer. Bloque-le à moi. Attends. Merci. Alors j'avais juste envie de diffuser quelques extraits de cette vidéo, d'où le frère s'exprime. Donc il émet un peu sa colère et il explique de lui-même ce qui se passe et pourquoi il a ce litige avec Gabon 24, qui est une chaîne qui appartient à l'administration gabonaise. Alors. National, sur beaucoup de chaînes, notamment sur. Par deux agents de Gabon 24, dont j'ai jamais fait de live de ma vie. J'ai tout pour quelqu'un des médias. J'ai toujours été dans l'ombre. Je sais pas faire de publicité sur moi. Mais comprenez que si depuis quelques semaines, surtout pour ceux qui me connaissent, j'en viens à quelque part me donner en spectacle,
C'est malgré moi, c'est malgré moi. Donc, je vais commencer par vous dire en fait qu'en novembre 2000, la directrice de Gabon 24, par... non, ne m'appelez pas, je ne sais pas qui m'appelle, je ne sais pas qui m'appelle, ne m'appelez pas. Donc, en novembre 2018, je disais, j'ai été approché par Gabon 24, par deux agents de Gabon 24, dont Laure Bigour, qui à l'époque n'était pas encore directrice générale de Gabon. Que Gabon 24, non, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, ne m'appelez pas, je ne sais pas qui m'appelle. Voilà. Donc, j'ai été approché par ces deux personnes parce qu'elles me disaient Gabon 24 est en train de changer sa grille de programme, Gabon 24 est en train de créer de nouveaux programmes, etc. Et comme ils voyaient mon travail fait à l'international sur beaucoup de chaînes, notamment sur Canal Plus International, Voyage, etc., parce que je faisais beaucoup de sous-traitance pour Canal Plus. Toutes les émissions qui concernaient le Gabon sur Plus d'Afrique ou Rendez-vous au Gabon, le premier, c'était moi qui les faisais. C'est grâce à moi que la production est venue faire le live au Gabon. Donc, à la suite de tout ça, National Geographic notamment, et à la suite de tout ça, ils m'ont approché en me disant, on a vu ton travail et on voudrait que tu réalises des émissions pour nous. Nous avons quatre émissions que nous voudrions que tu réalises. Donc, elles m'ont dit qu'elles ont fait le tour des boîtes de production de, qu'elles ont fait le tour des boîtes de production de la capitale, et que non seulement à la suite de nos multiples discussions et rendez-vous, j'étais celui qui avait déjà tout le matériel qu'il fallait, un, deux, qui avait un travail de qualité, surtout qu'il était connu à l'international depuis des années. Donc, nous nous sommes entendus sur la production de quatre émissions. La première émission, c'était. La première émission, excusez-moi, je ne sais pas si sont eux qui le font pour m'embêter, mais bon. La première émission, c'était une émission de type programme court. C'est quoi les programmes courts? Ben, les programmes courts, c'est ce que vous voyez, ce sont des petites vidéos qui présentent le Gabon. Ce sont des vidéos de 30 secondes à 1 minute. Par exemple, si tout de suite vous mettez Gabon 24, sur le canal 75, par exemple, pour ceux qui sont 175, pour ceux qui sont sur Canal au Gabon, ben, vous verrez des petits films qui présentent le Gabon, et ensuite, à la fin, il y a une animation Gabon 24, etc., etc. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Donc, nous sommes tombés d'accord sur la production de 24 de ces numéros pour un contrat annuel à raison de trois films, trois de ces films à l'année. Elles m'ont dit, vu l'urgence, entre en production tout de suite, livre-nous les produits, on te payera, et puis les contrats, bon, voilà. Bon, je dois dire que, vous savez, à un moment, souvent en affaires, on essaye d'être souple. Surtout que l'une des adjointes de Madame Bigour, la DGA, j'avais travaillé avec elle. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, j'ai eu à travailler avec elle, donc je me suis dit. Ok, j'ai pas à m'inquiéter, voilà, ça va être réglo. Et puis c'est quand même la présidence de la République. Donc je me suis dit, bon, il n'y aura pas de coup bas. Du coup, tout de suite, j'entre en production. Je disposais déjà de pas mal d'images que j'avais réalisées dans tout le Gabon, au cours de mes différentes missions, etc. Et j'ai dû après repartir à nouveau à travers tout le Gabon. Pour tous ceux qui me suivent. Et régulièrement, vous voyez, quand je suis avec mes équipes, avec mon équipe de tournage, vous voyez régulièrement on fait des pauses, on vous montre la nature, etc. Donc nous avons commencé à livrer la chaîne, qui effectivement, par exemple pour les trois ou quatre premiers programmes, nous a payé, encore, nous a payé au bout de 2, 3 mois, etc., etc. À peu près une valeur totale de plus de 150 millions, si je ne m'abuse, parce que j'ai pas sous les yeux. Ensuite, nous avions un deuxième contrat signé. Ils sont là, hein. Ils sont avec moi, les contrats signés. Ils sont là. Ils sont là, les contrats signés sont là. Le premier. Le deuxième.
ils sont là. Et le troisième, je vous expliquerai pourquoi je ne vous le montre pas. Parce qu'il est séquestré par Gabon 24. Je pense qu'on peut déjà s'arrêter à cette étape-là. J'ai envie de donner la parole à Gobam qui a couvert un peu cette affaire. Est-ce que Gobam, tu peux ainsi résumer à ceux qui nous écoutent un peu ce qui se passe? Oui, en effet. Bon, d'abord, il faut parler un peu de la victime, à mes yeux, à Monsieur Bernard Rekoula, Christian Bernard, qui est un Gabonais, mais qui a également la nationalité française. Il a évolué en Europe et il travaillait en Europe. Il a décidé de venir au Gabon. Il a commencé sa compagnie de audiovisuelle production. Et de fil en aiguille, comme il l'a si bien dit, il s'est fait une renommée avec plusieurs médias dans le monde. Et il a été contacté, comme il le dit lui-même dans la vidéo, par Gabon 24. Aujourd'hui, il y a un litige au niveau du non-respect de ces contrats signés où il y a environ 30 millions de francs CFA que la présidence du Gabon, Gabon 24, lui doit. Il a essayé de négocier avec ces derniers de manière raisonnable et pacifique. Mais depuis environ 6 mois, il se fait balader. Et aujourd'hui, on l'a tous vu. Il se fait aussi intimider parce que, au suite de sa vidéo, il a reçu une convocation pour se rendre à la DGR, Direction Gabonaise des Recherches, pour répondre de je ne sais quoi. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Il a effectivement tous les documents qui lui donnent raison. J'en ai vu quelques-uns. Sa thèse est bien étayée. Et voilà. Donc, on est face à un véritable dilemme. Parce que jusqu'alors, comme vous l'avez constaté, il n'y a eu aucun communiqué officiel de la présidence du Gabon. Il préfère faire apparemment la loi du silence, l'omerta. Et c'est un peu déplorable. C'est un peu déplorable que nous ayons de tels litiges. Parce que lorsque tu as mis la vidéo, là, la phrase qui m'a le plus touché, c'est lorsqu'il a dit que c'est quand même la présidence du Gabon. Il n'y aura pas de coup bas. Et c'est ce qui nous fait le plus mal, c'est de savoir que lorsque l'on traite avec l'État gabonais au plus haut niveau, parce que ça, c'est le haut, haut niveau, on est vraiment dans le cœur du pouvoir, on a de tels litiges qui ne peuvent pas être réglés à l'amiable. Il faut qu'on vienne sur les réseaux sociaux en parler pour faire du bruit et pour attirer l'attention publique, etc. Donc, c'est un peu déplorable. Et je ressens sa déception. Et je pense que beaucoup de Gabonais qui nous écoutent maintenant ont sûrement des témoignages concordants. Et je vous invite tous à venir discuter, non pas parce que nous voulons dépeindre le Gabon comme étant un mauvais pays, mais s'il y a des problèmes au Gabon, où il y a des gens qui font du business et qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, je pense qu'il est important que nous puissions aborder cela de manière raisonnable pour justement trouver des solutions. Parce que ce n'est pas des choses qui nous grandissent et qui apportent la gloire. Au contraire, ça nous apporte de la honte, de la moquerie des autres nations et du découragement de ceux qui veulent au Gabon venir investir. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci. Bam. Je vais prendre Cédric. Allô? Oui, là. Ouais, on va également prendre ton point de vue sur ton analyse sur cette vidéo, sur ce monsieur qui présente un peu ce qu'il vit avec l'État gabonais actuellement. Alors, monsieur Bernard, il a lancé sa vidéo, il a fait son live hier. J'ai regardé ce live-là et je vous avoue que jusqu'à présent, je reste choqué. Lorsqu'on promeut l'entrepreneuriat, lorsqu'on demande aux Gabonais de quitter la diaspora pour venir s'implanter au Gabon et donner et servir leur peuple, si c'est pour se retrouver comme Bernard aujourd'hui, je dis non. C'est un jeune Gabonais français qui a fait ses études au Sénégal, qui a eu l'occasion de voyager dans d'autres pays, qui est retourné au Gabon, qui a des contrats, qui a eu à signer des contrats avec des sociétés comme Canal Horizon, comme National Geographic et plein d'autres. Aujourd'hui, il s'est dit qu'il allait servir son pays via Gabon 24. Il a fait son travail et jusqu'aujourd'hui, il n'a toujours pas pu avoir son dû. Au lieu de voir dans quelle mesure payer ce jeune Gabonais par voie amiable, c'est des menaces et des intimidations. Il a fait ce live-là hier. Aujourd'hui, on fait comprendre qu'il doit se rapprocher du B2 lundi. Pourquoi menacer quelqu'un qui réclame son argent? C'est déplorable, c'est pathétique, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui devraient quand même se sentir concernés par ça parce que on a tous un parent. Si nous ne sommes pas l'étranger, on a tous un parent à l'étranger qui voudrait rentrer avec sa matière grise et pouvoir travailler. Ben, voyez-vous qu'au Gabon, c'est pas possible parce que si vous revenez au Gabon, soit vous allez finir au B2, soit vous allez, je sais pas, c'est compliqué. Attends, mais est-ce que c'est pas un peu trop facile là? Parce que là, tu généralises un peu, dire comme ça
que si vous voyez, si vous arrivez au Gabon, ça, enfin, à vous entendre, ça fait un peu peur. Mais le Là, problème, il c'est s'agit qu'on a ce jeu d'un qui est à côté. cas isolé, on va dire. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas qui a décidé de parler à haute voix. Des cas comme ça, il y en a énormément. Et monsieur Bernard, il n'a pas signé son contrat au Gabon avec une PME, avec une PMI, avec une entreprise lambda. Il a signé son contrat avec Gabon 24, Gabon 24, et sous la tutelle de la présidence. Il n'y a pas mieux pour représenter le Gabon que la présidence de la République. Il faut savoir si l'argent était effectivement défalqué, mais détourné par certaines personnes. Il faut savoir si c'est tout simplement de la mauvaise foi. Il faut savoir exactement ce qu'il en est. Mais c'est quand même bluffant de savoir que quelqu'un qui a fait son travail, qui réclame son dû, est menacé et se retrouve obligé de venir faire des vidéos sur Internet pour pouvoir réclamer son dû. Moi, aujourd'hui, qui Vous plaide avez pour... accusé l'État gabonais, c'est ça? Vous Je accusez n'accuse pas l'État l'État gabonais? gabonais, je n'accuse pas les... Je n'accuse pas l'État gabonais, je pense qu'il y a anguille sous roche quelque part, parce que cet argent a forcément été débloqué, qu'il a détourné. Attends, Je mais me dis, vous peut-être la pensez... présidence a effectivement détourné, a Ouais. effectivement débloqué cet argent. Est-ce qu'il y a détournement de fonds? Je n'ai accusé personne, c'est l'entité morale de la présidence ou encore de Gabon 24 que je remets en cause. Je ne me mets pas en cause qu'un individu lambda. Parce que peut-être aujourd'hui, cet argent a effectivement été débloqué, mais peut-être détourné. Sans compter l'intimidation qu'il y a derrière ça. Parce que je ne vois pas pourquoi il est attrapé au B2 pour ça, alors que depuis longtemps, il cherche quand même à vouloir entrer en pourparler, histoire d'avoir au moins une partie de son argent. D'accord. Voilà ce que je veux dire. Mais dans vos propos, à vous entendre, vous êtes très limite avec le gouvernement gabonais. Ce n'est pas le gouvernement gabonais, c'est Gabon 24. Parce que je ne pense pas qu'il faut mélanger les choses. Ce n'est pas le Gabon gouvernement 24, gabonais qui. Gabon 24, ça appartient à qui? Gabon 24 est sous la tutelle de la présidence. Ils sont basés à la présidence. Non, c'est dans le budget de la présidence de défalquer de l'argent pour le fonctionnement du Gabon 24. Et il reste à savoir si l'argent de Bernay est sorti ou pas. Mais. En suivant la vidéo, vous comprendrez que la responsable même de Gabon 24 ne donne pas l'impression de vouloir clore cette affaire à l'amiable. Mais Gobain, vous qui avez trempé vos mains dans le dossier, est-ce que vous avez certainement des documents peut-être à présenter un peu plus tard dans l'émission? Est-ce que il est dit que l'argent devait être décaissé? À quel moment? Est-ce que ce n'est pas une question là du coronavirus qui empêche peut-être la rémunération de ce monsieur? Allô, Gobain? Allô? Je crois qu'on a perdu, on a perdu Gobam. Attendez, je vais juste vous montrer, on va regarder un peu la suite. Donc, concernant le deuxième marché, c'est un marché de 6 200 000, 6 200 000, c'est là. Je ne sais pas si vous verrez. Attendez, voilà, c'est là. Le deuxième marché est un marché de 6 277 080 francs, l'émission. Pareil, qui devait être une émission de société. Et ici, pareil, ça devait être un hebdomadaire. Donc là, Gabon 24 m'a commandé 12 émissions. Faites le calcul. Multipliez 6 200 000 fois 12. Donc, rien que pour ces deux contrats, nous étions à plus de 200 millions à l'année. Pour le premier contrat concernant les programmes courts en time-lapse, etc., nous étions à peu près à 10 millions l'année. Ensuite, il y avait un quatrième contrat. Une émission, en fait, qui existait déjà dans la grille des programmes de Gabon 24, qui s'appelle Culturama, ou Culture, je sais plus. Gabon 24 a souhaité que je reprenne cette émission avec mon équipe. Donc, elles m'ont contacté en urgence en me disant, bon, écoute, cette émission, c'est vrai, on n'a pas encore avancé sur ça, mais d'urgence, il y a deux stars internationales, je ne sais plus lesquelles, hein, je n'ai pas retenu les prénoms, qui sont là, une coiffeuse et une esthéticienne, je ne sais pas. Viens, il faudrait qu'on filme, qu'on fasse déjà les PAD
pour les émissions futures, parce que c'est une aubaine. On ne pourra pas, voilà, il faut qu'on en profite. Donc, je me suis déplacé avec toute l'équipe de travail. À l'époque, c'était à Maena Productions. Ça s'est passé, si mes souvenirs sont bien, sont bons, en juillet ou en août 2019. De toute façon, j'ai les vidéos, j'ai les photos. Donc, nous avons réalisé le premier PAD pour la première. Ensuite, la deuxième, ça s'est passé aux Galeries Kayane, pareil, à la même période. Les dames sont passées, etc. J'ai jamais été rémunéré pour ce travail jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Donc, sur la totalité de ces contrats qui s'élevaient à plus de 230 millions, vous comprenez, et les professionnels de la communication comprendront que j'étais obligé de, vous savez, tous les petits marchés, etc., j'étais obligé de laisser tomber ces marchés pour pouvoir produire ces émissions. J'ai été obligé de renforcer mon équipe. Je suis même allé au ProDECES, écrire au ProDECES pour pouvoir donner la possibilité à beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver des emplois à intégrer mon équipe pour, un, se faire la main, pour avoir une première expérience, et en même temps, pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, j'ai tous les documents. Je suis entré en production, comme je vous dis, sans avoir commencé à signer les contrats. Mal m'en a pris. Pourquoi je vous le dis? Parce que, paf, intervient l'accident du président. Donc, entre-temps, les dames me disent, bon, écoute, voilà l'accident, voilà, bon, on va attendre, etc. Mais elles me mettaient la pression, il fallait que j'avance. Parce que, comprenez qu'une émission ne commence pas au moment où on filme. Une émission commence par sa conception sur feuille, sur papier, des repérages sur le terrain, etc., etc. Donc pendant plus de 7 mois avec mon équipe, je vous parle, depuis 2019, 2018, novembre 2018. Depuis 2019, avec mon équipe, nous nous sommes mis sur le terrain, nous avons commencé à travailler comme des fous, mais alors là, au point où en avril, je sais plus, 2019, Madame Bigour m'appelle en me disant, écoute, la situation est réglée, passe à la présidence, parce que faut dire que les locaux de Gabon 24 sont dans l'une des dans l'enceinte de la présidence. Donc passe à la présidence, voilà, on va signer les contrats. Et dans les contrats, naturellement, il était question que je perçoive des avances de 50% de tous les contrats. Donc j'arrive, à ma grande surprise. Madame Bigour me donne 13 millions en espèces. Elle me donne 13 millions en espèces en m'expliquant que, écoute, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Voilà, avec tout ce qui se passe, il y a des remue-ménages ici, blablabla, blablabla. Le budget, je ne l'ai pas encore, blablabla. Elle m'a raconté tout ce qu'elle voulait raconter. Et tout ça en présence de la DGA de Gabon 24. Donc, je dois vous dire que j'étais stupéfait, voilà. Mais bon. J'avais déjà passé plusieurs mois sans payer quasiment mon personnel, ou alors, comme on dit vulgairement, en leur payant en monnaie de singe. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas cracher sur cet argent, je le prends. Et ces 13 millions pour elle, c'était censé être les avances de 4 émissions, donc de 2 émissions sur le contrat 2 et 2 émissions sur le contrat 3. Et au même moment, nous avons signé les contrats, ces contrats que je vous ai montrés. Nous les avons signés. Et je leur ai demandé, mais où est le premier contrat? Celui concernant les programmes courts, donc tout ce que vous voyez là qui présente le Gabon en drone, Libreville, etc. Où est ce contrat? Elles me disent, avant ça, oui, elles me le sortent, je le signe. Parce qu'avant ça, oui, peu de temps avant, ou je ne sais plus si c'est le même jour, je ne me rappelle plus très bien. Bref, elles le sortent, je le signe. Mais après, d'ailleurs, tous les contrats, ils me disent, non, écoute, repasse après, parce que là, le PCA, etc., qui était à l'époque Ike Nguni pour le premier, ne peut pas signer, il y a une urgence, etc., reviens demain, tu auras ton contrat. Je dis, ok, bon, c'est des personnes voilà, vraiment, j'avais pas, comment dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on me poignarde dans le dos. Eh bien, le lendemain, concernant le premier contrat, je n'ai pas eu de retour. Il s'est écoulé un mois. Donc après plusieurs relances, et tout ce que je vous dis, j'ai des mails, j'ai des SMS que je pourrais faire authentifier
et qui ont déjà été authentifiés par huissier de justice. J'ai des SMS, j'ai des conversations WhatsApp. Tout est authentifié. Donc, du coup, je demande après un mois où est le contrat que je signe, parce que je dis, je leur explique même, je dis, vous savez comment le pays est sensible. Lorsque je me déplace avec un drone, les policiers, etc., tout le monde me regarde. Donc, il faudrait que je puisse, expliquer que ce que je fais, c'est pour la télévision nationale, que c'est pour Gabon 24. Et donc, de ce fait, il me faut des documents, indépendamment des ordres de mission qu'elle m'a faites, qui sont là en ma possession. Il me faut un contrat en bonne et due forme. Surtout que, entre-temps, le contrat, en réalité, avait déjà été consommé. J'avais déjà fourni les éléments qui passaient à la télé en boucle, etc., etc., et qui avaient été payés selon l'entente que nous avions eue. Donc, je demandais tout simplement à ce que cette copie me soit remise, signée, cachetée, comme je l'avais faite. Un mois plus tard, donc là, il s'écoule 2 mois concernant ce premier contrat. Un mois plus tard, la directrice générale me dit, non, en fait, on ne peut pas te remettre le contrat parce qu'on a versé du café dessus. J'ai un peu rigolé, je dis, mais c'est pas grave. Si le café a été renversé sur le contrat, mais il n'y a qu'à les imprimer et les signer à nouveau. Vous comprenez? Elles me disent, ouais, ok, c'est vrai, il n'y a pas de souci, on va imprimer, et voilà. Il s'est encore écoulé plusieurs semaines. À un moment donné, je leur mets la pression en disant, non, mais qu'est-ce qui se passe avec le contrat? Donc j'arrive, et quand j'arrive à son bureau, elles me disent, non, ben écoute, pour le premier contrat, on laisse tomber. Je dis, mais comment ça, on laisse tomber? Vous avez déjà consommé mon travail. Chaque film que je fais a une valeur minimum d'1,5 million. Mais vu que vous m'en avez commandé 24, je vous l'ai fait à 800 000, donc à moitié prix. Et aujourd'hui, vous me dites, non, on laisse tomber comme ça. Donc, ça a été déjà la première entourloupe. Ensuite, même pour ces films qui m'ont été payés plusieurs mois après, j'ai constaté que mes impôts n'étaient pas reversés. Donc, j'ai demandé à la DG, mais où sont les impôts, les millions que vous m'avez prélevés en impôts? Elle me dit, ah, mais je sais pas, je suis incapable de te donner une réponse. Faut voir avec l'agent comptable de Gabon 24. Donc, je suis entré en contact avec l'agent 24, avec l'agent comptable de Gabon 24, en lui demandant où étaient passés les impôts qui m'ont été prélevés. Et ben, lui de me dire, c'est là où ça a été vraiment surprenant, et lui de me dire, non, monsieur Rekoula, je ne sais pas, je peux pas vous dire où sont passés vos impôts, etc. Vous savez, après moi, il y a plein d'opérations, etc., etc. J'étais avec la DGA, j'ai appelé un inspecteur des impôts, dont je tairai le nom, qui se reconnaîtra certainement, qui a expliqué à la DGA de Gabon 24 quel était le processus. Parce que lorsque moi, par exemple, je travaille pour une boîte privée, la boîte privée prélève mes impôts, je suis assujetti à la TPS au 9.5, prélève mes impôts, prélève les sous, les verse aux impôts et me remet une quittance. Ce qui fait qu'en fin d'année fiscale, je présente moi, lorsque je fais ma déclaration fiscale, lorsque je dois payer ma patente, je dis aux impôts, bon écoutez, concernant les impôts, voilà le crédit d'impôt que j'ai, voilà ma quittance. Tous ceux qui sont dans mon cas, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont privés, savent que c'est comme ça que ça se passe, c'est la loi au Gabon. Et lorsque c'est le trésor, ben ça se fait directement depuis le trésor. Cependant, je ne peux pas aller moi aux impôts, dire voilà, je m'appelle monsieur Bernard Ekoula, je veux savoir où sont, si mes impôts ont été reversés. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il me faut un certain nombre de numéros pour pouvoir, aux impôts, veiller, avoir confirmation que les impôts ont bien été reversés. Donc, à ce jour, plusieurs millions m'ont été prélevés et je n'ai aucune preuve que ces millions aient été reversés. Alors, j'arrête là. Je vois, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se connecter, qui nous écoutent. Si vous souhaitez témoigner ou apporter un avis, hein, vous pouvez nous rejoindre sur Sans Tabou 241 sur Skype et puis on va vous donner la parole parce qu'on est en train de regarder un peu le cas de notre compatriote gabonais qui, visiblement, en vue de ses dires, il s'est fait rouler dans la farine, comme il dit, par Gabon 24. Donc, par la directrice Laure, j'ai oublié son nom, Laure Rigou, vous m'excuserez. Hein. Alors, il y a Nanda, la Gaboma, qui dit « Courage, frère, ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Les Gabonais ne doivent plus se laisser faire. » Donc, voilà, c'est le commentaire de Nanda. Après, il y a Laurie Carla qui dit « L'histoire d'un jeune Gabonais qui s'est battu pour créer son entreprise »
et qui crée des emplois. Voilà, lui-même, il a dit hein, qu'il a été pouvoir recruter des petits Gabonais, des jeunes au chômage, pour offrir une formation, hein, pour qu'après, ils puissent eux-mêmes se lancer dans la vie de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à partager le live, continuez à mettre des commentaires, et je répète, si vous souhaitez intervenir, même dire un mot, ça se passe sur le Sans Tabou 241 sur Skype, sur notre Skype. Pour ceux qui sont déjà connectés avec nous sur Skype, vous nous envoyez un petit message et puis on va vous donner la parole. Je vais reprendre Gobam là-dessus. Gobam, ce monsieur dit qu'il souhaite créer des emplois, il est à l'initiative de ce projet-là et visiblement il se heurte à Gabon 24 qui aujourd'hui ne répond plus à ses appels. Gobam, est-ce que ce n'est pas là, on va dire, peut-être un découragement pour certains. Bien sûr que c'est, monsieur Alain, je pense que c'est une attitude qui ne glorifie pas le Gabon. Je le redis encore, je suis très déçu que cela se passe à la tête de l'État, dans l'enceinte même de la présidence du Gabon, qu'on assiste à de tels comportements. Je crois sur parole le témoignage de monsieur Rekoula. Et si même il pourrait y avoir des erreurs, cela peut être lié simplement à l'oubli. Mais il me semble être quelqu'un de sincère et il n'a aucune raison de mentir. Ce n'est pas tous les jours la veille qu'on vient devant les caméras pour parler d'un problème qui concerne une présidence d'un pays, entre parenthèses, souverain. Donc c'est déplorable. C'est déplorable de voir une directrice qui n'est pas capable de dire la vérité et qui n'arrive pas à justifier les manquements financiers qu'elle doit à un individu gabonais qui s'est battu. C'est très grave. Que les Gabonais comprennent la gravité de la situation. Il ne s'agit pas ici de maman gâteau ou du malien. On a affaire ici à la présidence du Gabon, à la chaîne de télévision qui est dans l'enceinte de la présidence du Gabon. Donc, ont-ils des problèmes d'argent? Y a-t-il un déficit budgétaire? J'en doute fort. Pas plus tard qu'il y a quelque temps, le président Ali Bongo a débloqué de sa propre poche personnelle 2 milliards de francs CFA pour le coronavirus. Et le problème que M. Rekoula est confronté, date, prédate hein, la crise du coronavirus. Depuis 2018, apparemment, il y a des problèmes. Donc, je me demande, n'y a-t-il plus d'argent au Gabon? Que se passe-t-il à la présidence? Est-ce que les caisses sont vides? Hein? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui pourrait motiver une directrice d'une chaîne de télévision présidentielle à ne pas être honnête et à faire tourner un compatriote pour une affaire de 20 millions, 30 millions? Sommes-nous arrivés à ce stade? Le Gabon est-il en récession économique? Je me demande. J'ai vraiment du mal à comprendre parce que je suis convaincu que même au sein du gouvernement, il y a des personnes qui gagnent plus de 20 millions par mois. Donc, que se passe-t-il ici? Et c'est cela qui me trouble le plus. Je me demande à quoi est-ce qu'on a affaire? Un problème budgétaire, de la jalousie, de la méchanceté, du racisme? De quoi est-ce qu'il s'agit? Ou c'est un mélange des quatre ou des trois? Ou c'est simplement de l'incohérence? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je m'insurge parce que jusqu'à présent, la présidente et même Gabon 24 n'a issu aucun communiqué. Pourtant, cette affaire est déjà dans la place publique sur les médias reconnus au Gabon. Pourquoi il y a le silence? Et je bénis le ciel pour M. Rekoula, qui est quelqu'un de très éloquent et très cohérent. C'est-à-dire que souvent dans la vie, on a des problèmes, on a des situations difficiles, mais il faut aussi pouvoir présenter son cas d'une manière succincte pour que tous ceux qui écoutent comprennent. Et il le fait avec intelligence et brio. Il ne donne aucune excuse à ceux qui doivent de l'argent. Il a tout étalé. Il est très méthodique, très soigné. Aux yeux du monde entier, il a raison. Mais Gobam, En tout cas, excuse-moi, je donne la parole après, on prendra un peu plus tard. Mais est-ce qu'il ne s'agirait pas peut-être pas d'un oubli de Gabon 24? Parce que ce monsieur dit très bien qu'en 2018, lorsque le président Ali Bongo est tombé malade, c'est à ce moment-là que ses problèmes ont commencé. Mais je pense que c'est sûr que, comme on le dit tantôt, hein, que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, je pense effectivement que l'état de santé du chef de l'État contribue beaucoup à un climat de chaos, d'abus à tous les niveaux. Mais même le fait qu'il soit payé en retard, parce que dans la vidéo, on l'a écouté, il disait qu'il y a des contrats qui ont été payés après 2, 3 mois. Ce n'est pas tolérable. La présidence du Gabon doit être l'exemple de la République. Si la présidence paye des salariés ou des contracteurs en retard, qu'est-ce que
le petit commerçant fera avec ses employés. C'est très grave. Et je veux que ceux qui sont aujourd'hui à la présidence comprennent la gravité de ce problème. Ils sont un mauvais exemple et on s'étonne de voir un pays qui fonctionne avec une telle incompétence au sommet de l'État. À la présidence, il ne devrait jamais avoir de retard de paiement en aucune circonstance. En aucune circonstance. On peut pas avoir des amateurs qui signent des contrats, qui sollicitent des services et qui n'ont pas un budget prêt pour payer ces contrats lorsque le travail a été fourni. Surtout que le travail a été fourni avant le paiement. Il y a un problème. Là, il y a de l'incompétence. Il y a de la mauvaise gérance. À quoi est-ce qu'elle sert, Madame Bigourde? Quel est son rôle? Donc, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Gabon est malade. Et on voit que la maladie, elle est effectivement à la tête de l'État. C'est inadmissible. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, en Europe et en Amérique. Je n'ai jamais vu ce genre de choses dans les administrations. Jamais j'ai vu ça. Et le comportement délétère, quasiment impoli, de cette directrice qui refuse de répondre au téléphone, on se croirait à l'époque coloniale. C'est du jamais vu. À la rigueur, s'il y a un problème budgétaire, on aborde, on s'explique, on est honnête, on dit, écoutez, monsieur Ricoula, il n'y a pas d'argent, on a un problème budgétaire, on respecte la personne qui a fait le travail pour lequel nous jouissions à l'instant T. Mais là, il y a de l'irrespect, de l'irrévérence, de la méchanceté, de la sauvagerie. Mais attends, est-ce que Madame Bigourde ferait pareil en France? D'accord, on va revenir sur ce point. On va revenir sur ce point, monsieur Gobam. Juste envie de prendre Apôtre qui nous dit. On va vous écouter. Bonsoir, Apôtre, d'ailleurs. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis en circulation là. Mais oui, je voudrais. D'abord, je suis navré pour la situation de monsieur Ricoula. Mais là, ici, on a affaire à une arnaque, une affaire de double facturation. Gobam, il faudrait. Attendez, monsieur, double facturation de quel côté? Mais du côté de Gabon 24. De quel côté? Il est question de Gabon 24 face à monsieur Ricoula. Parce que Gobam, tantôt, il généralisait, il mettait ça sur le dos du bailleur du bord de mer. Non, attention. C'est pas parce que Gabon 24 est situé dans l'enceinte du palais de la présidence. Quelle est que c'est la présidence? Là, nous avons une administration distincte. Et là, c'est la directrice de cette administration-là qui fait un dépôt de facturation. On sait comment ça se passe au Gabon. Ils ont sûrement surfacturé et pris l'argent pour eux. On sait comment ça se passe au Gabon. Et là, il faut faire un recours judiciaire. Il faut les traduire en justice. Il faut traduire Gabon 24 en justice. Il faut faire un recours judiciaire. Parce que c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est une double facturation. Monsieur Ricoula n'est pas le premier à subir ça. Nous avons plusieurs institutions au Gabon qui font ça, parce que les gens sont trop gourmands. Donc, Monsieur Ricoula a peut-être facturé 20 millions, et ils vont surfacturer à 200 millions. Et puis... Justement, monsieur Apôtre, excusez-moi, vous allez reprendre la parole, mais ce monsieur dit que ces problèmes ont commencé lorsque le chef d'État, monsieur Ali Bongo, est tombé malade. Et par la suite, on a pu entendre qu'il y a eu plusieurs détournements d'argent. Est-ce que tout ça ne vient pas de là, en fait? Parce que peut-être qu'il y a eu des impayés, et peut-être qu'il y a des entreprises encore au Gabon, parce que, qui ont dû fermer, je me rappelle, il y a quelques mois, ou peut-être il y a un an, deux ans en arrière, on nous disait qu'il y avait des entreprises françaises qui avaient quitté le Gabon. Est-ce que ce n'est pas dans le même cadre des impayés? Mais non, il ne faut pas mélanger la santé du chef de l'État à la mauvaise gestion des individus. Il ne faut pas. C'est des gens qui sont malhonnêtes. On a affaire à des personnes, des individus qui sont malhonnêtes, qui sont escrocs. Ça n'a rien à voir avec l'état de santé du chef de l'État. Avant que le chef de l'État ne tombe malade, Il y avait des cas d'arnaque au Gabon. Il y en a toujours eu. C'est des individus qui sont mal intentionnés. Moi, je connais un jeune garçon pendant la campagne électorale, justement, de 2016, qui a justement aussi fait des vidéos pour la campagne du chef de l'État, mais qui n'a pas été payé. Ça n'a rien à voir avec un état de santé. Ne politisez pas le débat. On a des individus qui sont foncièrement mauvais, qui sont escrocs. On se pose la question de savoir si l'absence de M. Ali Bongo aurait conduit à un désordre. C'est-à-dire que
finalement, il n'y a plus de responsable pour gérer les finances de l'État. Donc, on assiste peut-être à des événements comme ça, des entreprises qui sont obligées de fermer, des salariés qui n'ont pas de rémunération parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Non, là, il faut comprendre que les salaires des Gabonais ou bien le budget des entreprises ne viennent pas de la présidence de la République. C'est des choses qui sont votées en début d'année et c'est des entreprises qui sont des personnes morales. Donc, c'est des entreprises qui sont des entités distinctes. Ça n'a rien à voir. C'est pas le chef de l'État qui s'assoit au palais du bord de mer et commence à payer tout le monde. Non, non, non. Tout est budgétisé, c'est centralisé. Il y a des lignes de crédit pour chaque administration au trésor public. Donc, ça n'a rien à voir. On a affaire à des personnes qui sont mauvaises. Et ces personnes-là, il faut les traduire en justice. Moi, j'encourage M. Rikula à traduire non seulement le Gabon 24, mais aussi la directive avec qui il a fait affaire. Et c'est dommage qu'il ait justement livré la marchandise avant que d'avoir le papier signé noir sur blanc. Parce qu'au Gabon, on ne fait plus de transaction de gré à gré au Gabon. On ne peut plus faire une transaction de gré à gré sur la parole de quelqu'un. C'est pas le premier cas. Il a été convoqué à Niger, hein, monsieur Apôtre. Il a été convoqué à Niger, hein, rapidement, j'ai mis cette précision. Hein. Mais il a été convoqué à la DGA. Mais justement, il va avec son avocat. Être convoqué à la DGR, est-ce qu'il a volé quelqu'un? Non. Il va avec son avocat, il a livré un produit. Mais cette DGR, la DGR, moi je sais pas au Gabon, mais la DGR c'est quoi exactement? Est-ce que c'est un tribunal, c'est quoi? Pourquoi être convoqué à la DGR et ne pas recevoir une plainte d'un tribunal? Une instance juridique qui pourrait convoquer ce monsieur? Écoutez, avant d'aller au tribunal, il y a des gens qui commencent par une procédure judiciaire. Maintenant, la procédure judiciaire pour laquelle il a été convoqué à la DGR, je pense que quand on l'a convoqué, sur la convocation, il y a le motif de la convocation. Maintenant, selon ce motif-là, il va avec son avocat, il va préparer. C'est pas parce qu'on te convoque à la DGR que ça veut dire que tu es en tort ou quoi que ce soit. Je dis que c'est des personnes mal intentionnées. On appelle ça un abus de pouvoir. Ces personnes-là veulent jouer justement sur leur relation. Mais si M. Rikula est dans son droit, qu'il aille avec son avocat, avec les documents qu'il a en sa possession. Le motif, la raison pour laquelle il est convoqué, mais il va répondre. Et moi, à sa place même, je porterai une autre plainte à la même DGR contre Gabon 24. À sa place, je répondrai aussi par une convocation. Vous pensez qu'il ne l'a pas déjà fait? Je n'ai pas dit ça. Je dis ce que j'aurais fait à sa place. Je peux pas penser à sa place. Je peux pas savoir ce qu'il a fait. Je peux pas anticiper. Je ne suis pas lui. Mais je donne un conseil. Je donne mon opinion. Ce que moi, j'aurais fait en tant qu'individu qui connaît ses droits. Je vous redonne la parole. Merci. Il y a plein de commentaires. Il y a des gens qui sont un peu énervés sur le forum qui nous disent que Gabon 24 appartient à l'État gabonais, donc, enfin, du moins vu qu'elle se situe dans le palais. Est-ce que quelqu'un peut résumer un peu ça, Apôtre ou Gobam, je sais pas trop. Ça c'est un raisonnement, excuse-moi. Hein. Ouais. Ça c'est un raisonnement insensé. Est-ce que Gabon 24 appartient à l'État gabonais que c'est le président de la République qui paye ça? Soyons sérieux, on n'est pas dans une plantation. Je ne sais pas pourquoi les Gabonais veulent tout politiser. On parle d'une arnaque, là. Ce n'est pas une affaire politique. À un moment donné, il faut respecter la situation du monsieur. Vos débats politiques, vous les laissez de côté. Le monsieur, il est là parce qu'il veut son argent. Il veut sa quittance d'impôt. Et il est dans son droit. Alors on a juste, il y a monsieur Gilles Gilbert sur le forum Facebook qui dit: alors je souhaite dire que ce n'est pas une chaîne présidentielle mais plutôt une entité étatique de l'État gabonais. La présidence du Gabon est une institution à part entière et la République du Gabon. Donc ce qu'il dit, j'ai cru lire aussi un autre commentaire dans ce sens-là un peu plus haut, mais du coup, enfin la question est, cette chaîne elle dépend de qui finalement, elle dépend de qui? Apôtre ou Gobam, hein, si vous pouvez répondre. Écoutez, sur l'article que j'ai pu lire, hein, Gabon 24
est présenté comme la chaîne télévision présidentielle. Donc, l'adjectif présidentiel, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'ils ont une autorité qui est sur elle, qui est la présidence de la République. C'est tout. Donc, je ne veux pas prétendre être expert dans la hiérarchie, dans l'organigramme de ce qui se passe au niveau de Grand 24 et au-delà. Gobam, la presse présidentielle n'a rien à voir avec Gabon 24. La presse présidentielle, elle est logée dans le bureau de la présidence, dans le palais du bord de mer. Elle accompagne le chef de l'État dans toutes ses sorties. Ça n'a rien à voir avec Gabon 24. Gabon 24 dépend du ministère de la Communication, mais c'est une entité, comme je dis, qui est budgétisée, qui a un budget à lui. C'est une personne morale, c'est une entité morale. Oui, d'accord, mais c'est Ali Bongo qui nomme les gens. Moi, je parlais de Nambengue. Voilà. Donc, ces gens-là qui sont malhonnêtes ne viennent pas du ciel. Ils ont été nommés par quelqu'un. Ils ont été mis là par des personnes qui sont à la présidence. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, s'il y a désordre, s'il y a corruption, s'il y a malversation, on se demande pourquoi de tels incompétents se retrouvent à la chaîne de télévision présidentielle. Voilà. Pourquoi, qui a amené Madame Laure Bigourd à la direction générale de Gabon Télévision. Ce point bon, là, je crois que vous êtes en train de manquer de respect à M. Rekoula. Parce que vous êtes en train de vous servir de sa situation pour des absurdités. On cherche une solution. On cherche des solutions pour à lui donner des conseils. On cherche à faire évoluer sa situation. Ça n'a rien à voir avec vos affaires de politique. Monsieur Rekoula, Monsieur Rekoula, le dossier est en marche, mais il n'y a pas que lui au Gabon qui subit les affres de certaines personnes qui sont placées à des positions clés et qui abusent des Gabonais. Ceux qui ont aujourd'hui volé l'argent, ou peu importe ce qu'ils ont pu faire avec l'argent, ont été nommés, et on est fatigué de voir les nominations de personnes incompétentes qui rendent la vie difficile aux Gabonais qui s'étaient. Voici le point. Depuis 10 ans, la présidence a nommé beaucoup d'individus qui n'ont été que la catastrophe pour le peuple gabonais. Et c'est un seul sujet qu'il faut absolument aborder parce qu'on veut des solutions à long terme pour tout le monde. Pas seulement pour M. Rekoula, mais pour tous les futurs entrepreneurs. Et même pour le staff de Gabon 24, j'estime qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Il y a un problème de casting. On a tendance à engager des voleurs à la présidence et des bandits. Je pense que c'est le milieu où on devrait être le plus rigoureux au niveau du recrutement. Mais apparemment, c'est de la bordellerie. Voilà. Bon. Mais j'aimerais bien que M. Gilles Gilbert puisse nous rejoindre parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'informations dans ce qu'il dit. Hein. Il dit que la volonté de créer cette chaîne peut venir d'un chef d'État, mais ce n'est pas lui qui libère les fonds pour ce qui est de la convocation. Il va accompagner d'un huissier de justice en vue de sa double nationalité. Il doit se rapprocher du service juridique. Non, c'est ce que dit M. Gilles Gilbert, donc s'il veut bien nous rejoindre sur son tabou ce soir pour nous donner un peu plus d'informations, un peu plus d'éléments sur ça. Il a l'air d'en savoir un peu plus. Alors, il y a Arnaud Rollins qui dit, les gars, faites très attention. C'est pas parce que l'on est prestataire qu'on dit la vérité. Là aussi, Monsieur Arnaud Rollins souligne un point très essentiel de ce débat. C'est pour ça qu'il y a certains ce soir qui n'ont pas voulu participer à ce débat. Parce que finalement, on ne connaît pas la vérité de deux côtés non plus, Gobam. On ne peut pas être affirmatif que dans un seul sens. Mais monsieur, là, j'en ai parlé tantôt. Les accusations sont très graves. Elles visent une chaîne de télévision qui réside à la présidence du Gabon et qui est rattachée, qu'on le veuille ou pas, au président de la République et à son staff. Depuis environ presque 6 mois, il y a des procédures qui sont entamées et maintenant, ce qui se passe dans le décor est public. Une présidence qui se respecte, une chaîne de télévision qui se respecte aurait déjà fait un communiqué, plus que pour démentir les allégations que M. Rekoula avance. Jusqu'à présent, ils sont dans le silence de mort, et même ça, c'est de l'incompétence. Voilà. Donc, pour répondre à M. Arnaud Rolling, si Gabon 24 estime que les propos de M. Rekoula sont faux, fallacieux, mais qu'il porte plainte, qu'il s'exprime devant l'opinion publique. Gabon Revue a publié extenso ce qu'il a dit. On l'a repris, beaucoup de gens l'ont repris, et bientôt ce sera peut-être dans Le Monde et Le Figaro. Je pense quand même que si c'est des gens respectables, ils devraient faire au moins un droit de réponse qu'on puisse lire. C'est tout. Ils ont des avocats, ils ont des huissiers. Qu'est-ce qui les empêche de répondre à toutes les allégations sur eux au niveau de cette malversation financière? Sont-ils muets? Madame Bigot, elle ne sait pas écrire? Non, soyons sérieux. Hein? Donc, pour l'instant... Quand vous demandez un communiqué de presse, c'est ça? Bien sûr.
bien sûr, que Gabon 24 communique clairement et qu'elle donne aux Gabonais l'information qui nous concerne. C'est-à-dire, est-ce que M. Rikula ment? Est-ce qu'il exagère dans ses propos? Est-ce que c'est un plaisantin? Qui nous disent clairement qu'est-ce qu'il en est. On parle quand même d'une chaîne de télévision. Dans la communication, c'est leur travail, c'est leur métier. Mais face au silence olympien de Gabon 24, de sa directrice, je pense que la raison nous amène à croire que M. Rikula est dans le vrai. Je pense même que si il y a des choses qui sont fausses, c'est sûrement lié à l'oubli ou bien à l'inattention, comme dans tous les récits, dans le monde entier. Mais sur la sincérité, sur la concordance qu'il raconte, pour moi, je pense qu'il est dans le vrai. Les autres ne disent rien, ils se taisent. Alors qu'on les connaît à avoir une très longue bouche à la présidence du Gabon. C'est très rapide, ils dégainent rapidement. Ils font des communiqués sur le copil, etc. Et c'est pour ce problème qui entache le Gabon, qui se taise. Donc le silence est coupable. Mais est-ce qu'il a raison d'emmener ce problème sur la place publique, ce monsieur? Je pense que oui. Est-ce qu'il ne devait pas faire un recours, comme certains le disent dans les commentaires? Justement, je termine. Est-ce qu'il n'aurait pas dû porter plainte ou se taire ou attendre une instruction de la justice, par exemple? J'ai la réponse à la question. La question est simple. Il a entamé des procédures judiciaires. Voilà pourquoi il a un avocat. Cependant, selon l'expertise de son avocat et peut-être d'autres experts avec qui il travaille, ils ont estimé qu'une telle affaire pourrait durer facilement au Gabon 5 ans, 6 ans. Et c'est vrai parce qu'on a des dossiers au Gabon qui durent. On a des prisonniers qui sont en prison depuis 4 ans, ils n'ont pas été jugés, dont une affaire qui n'est pas d'ordre criminel, qui est simplement liée à un cas civil de malversation financière, ça peut prendre du temps. Il n'a pas le temps d'attendre 5 ans, c'est pour ça qu'il utilise les médias, il utilise les réseaux sociaux pour pouvoir trouver une résolution pacifique à ce conflit, éviter la cour. Ça dure déjà depuis 2018. Il a appelé. Voilà, mais écoutez, il a appelé, il a fait sa part de manière respectueuse pour attirer l'attention de la directrice, il a fait tout ce qu'il pouvait. Donc, s'il en parle en public, parce qu'il a pris conscience, comme beaucoup de Gabonais d'ailleurs, que la place publique est un endroit qui exerce sur le gouvernement gabonais et sur n'importe qui une pression qui fait qu'à la fin, ils sont obligés de négocier et de parler, ne fût-ce que pouvoir nous dire s'ils ont raison et s'il a tort. Donc, je pense qu'il a été justifié. Et pour moi, cette convocation légère, c'est une preuve qu'il a eu raison, parce que pour moi, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Donc, il est justifié. Il n'a rien fait de mal. Il est venu parler d'un problème pour lequel il s'est battu en privé. Le privé a échoué. Maintenant, il en parle en public. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc, big up à lui. Un commentaire pour toi. Il y a Arnaud qui répond. Qui dit, Gobam, tu as pour habitude de te tremper dans tes prises de position et tu n'as pas souvent le courage de reconnaître que tu t'es trompé. Donc, ça, c'est pour toi. Gobam, un petit message pour toi de la part de Arnaud. Mais c'est pas un problème de Gobam ici. Bon, j'ai été ma logique. Si j'ai tort sur ce que je dis, qui me le prouve? Pourquoi Gabon 24 n'a pas réagi jusqu'à présent? Je me pose des questions. Donc, s'il a la réponse, qu'il nous la donne. Non, pour le reste, ceux qui pensent une prise de position, on pourra en parler une autre fois et puis il pourra prouver parce que c'est trop facile de venir parler des généralités. Nous, ici, on parle d'un cas spécifique. On parle d'un cas spécifique qui a été publié dans les magazines gabonais. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Jusqu'à présent, la directrice n'a rien dit, l'État gabonais ne dit rien, tout le monde se tient dans le silence. Alors, donc, monsieur Rolling, si vous avez la réponse, donnez-la nous. Ou bien vous voulez justement jouer l'avocat du diable pour jouer l'avocat du diable. Très bien. Justement, on vous a. Oui. Voilà. Je me trompe moins que lui. Il faut qu'il le comprenne. Voilà. Digo Bob. De toute façon, si vous souhaitez intervenir, je répète, ça se passe sur le Centre Abou 241 sur Skype. C'est sur Skype que ça se passe. On va mettre un lien dans quelques instants et vous pourrez vous connecter hein, si vous voulez apporter une contribution à cette émission. Il y a Yves Bouanga qui dit « Gabon 24 fait partie du groupe Gabon Télévision. Le fait d'être logé à la présidence lui a conféré par défaut une autorité par exagération de zèle de la part de cette directrice. » Justement, est-ce qu'il y a Apôtre encore avec nous? Allô, Apôtre? Apôtre. Je sais qu'Apôtre est dans les transports, c'est un peu compliqué pour lui. Apôtre. Ou Cédric d'ailleurs. Allô Cédric. Oui, Gaulin, je t'écoute. Ouais, est-ce que justement le fait. Parce qu'il faut souligner le commentaire de ce monsieur qui est très important, qui dit est-ce que le fait que Gabon 24 soit logé à la présidence, est-ce que ça. Ça donne pas une autre ampleur à cette chaîne-là. Est-ce que elles se sont pas poussées des ailes? Parce que même la dernière fois, on a vu le président. Il me semble que c'était dans cette chaîne que le président Ali Bongo avait fait son allocution auprès du Gabon. C'était, je crois, l'émission s'appelait Face à Face, il me semble. Mais je pense que comme le monsieur Bernard lui-même le dit dans la suite de la vidéo, on comprend très bien la responsabilité de la présidence par rapport à ce
par rapport à ce problème. Lui-même, là, il explique, je pense qu'il explique quand même dans une certaine mesure la place qu'occupe la présidence, parce que dans cette histoire, quand tu vas mettre la vidéo pour que les gens puissent mieux comprendre ça aussi, ils comprendront qu'ils sont aussi rapprochés du porte-parole de la présidence. Donc, ils ont une certaine place. Je pense qu'il faut peut-être que les gens suivent aussi un peu ce qui se passe, enfin, comment il explique l'histoire jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir mieux juger. Il dit qu'il devait rencontrer le porte-parole du président, le porte-parole du président, parce qu'il a un certain pouvoir par rapport à Gabon 24. Je ne sais pas exactement comment c'est légiféré, mais je crois que la présidence a un apport dessus, pouvait, dans une certaine mesure, régler ce problème-là. Il était dans la vidéo, je pense que c'est peut-être mieux de faire avancer la vidéo pour que ce soit un peu plus clair. Il était approché par qui? Qui l'a approché lorsqu'il se plaignait? C'est un conseiller du président qui l'a approché. Donc, c'est vrai que c'est, on va dire que la présidence n'est pas peut-être liée à Gabon 24, mais comme il le dit, je pense que c'est quand même très bien expliqué dans la vidéo. C'est pas, je comprends pas pourquoi je n'ai pas invité à avancer ça, que les gens se comprennent bien. Mais comme il le dit, c'est quand même, il y a un lien. Vu que les gens de la présidence viennent et le menacent. Enfin, pas le menacent, mais viennent et essaient de calmer. Alors vous dites qu'il subit des intimidations de la part des gens de la présidence? Mais je dis qu'il a été approché par les gens de la présidence. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Moi, je pense qu'il est peut-être mieux de faire avancer la vidéo pour que ce soit un peu plus clair aussi. Vu que c'est ce que lui-même il dit. D'accord. Il y a Gobam qui voulait rajouter quelque chose, non? Allô? Oui, rapidement, je voulais juste rajouter que pour Gabon 24, c'est généralement le porte-parole de la présidence qui est le PCA de Gabon 24. Alors à l'époque, c'était Ike Nguni qui était le PCA de Gabon 24, le monsieur qui voit là. Donc juste pour que les gens comprennent qu'il y a des personnes qui ont des doubles rôles à la présidence et dans Gabon 24. Donc c'est très très bien entremêlé. Rapidement, merci. Merci, Gobam. Alors je vais poursuivre la vidéo. Si quelqu'un veut souhaite intervenir, pas de soucis, vous me dites... dans les commentaires, vous envoyez un petit message. Attirer l'attention de la DG, de la DGA, du comptable de Gabon 24. À ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Ensuite, les émissions ont pris du retard dans la production parce que la DG de Gabon 24 voulait que ça soit des émissions qui aient, indépendamment de la qualité d'image, qu'il y ait des personnalités d'une certaine importance, notamment des ministres, etc., etc. Donc, moi, avec mon équipe de production, nous avons entamé des démarches, déposé des demandes d'interview par-ci, par-là, procureur de la République, vraiment à toutes les personnalités possibles. Nous avons montré ces courriers à la DG de Gabon 24 pour qu'elle les co-signe. Mais à ce moment, la DG de Gabon 24 a pris ces courriers, les a déchirés et a refait des courriers au nom de la DG de Gabon 24 avec l'entête Gabon 24, etc., etc. Et à ce moment, elle voulait que moi je les distribue, que mon équipe. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Ça, c'est un document administratif qui appartient à Gabon 24. Je ne peux pas les distribuer moi et signer, décharger au nom de Gabon 24. Surtout qu'elle me disait, bon, écoute, on va passer par la directrice de la communication présidentielle, je ne sais pas, c'est une dame, j'ai oublié le nom. Comme ça, les choses seront plus faciles. Il s'est écoulé un mois, deux mois, rien n'a avancé. Donc, avec mon équipe, on s'est dit, ben, on ne va pas rester là, on va quand même avancer, etc. On a réalisé une première émission complète, sans compter les autres. Mais avant même d'avoir terminé ces émissions et d'avoir été soldée par Madame Bigour, elle m'a demandé d'entrer en production pour d'autres numéros. Elle m'a demandé de lui faire une proposition de thématique, d'émission, et d'émission pour pouvoir diffuser jusqu'en décembre. J'ai les mails, j'ai les SMS, mon avocat a tout. Donc, nous avons réalisé, etc. Et puis, voilà que nous sommes au bout de réalisation de la quatrième ou cinquième émission. Et je demande, parce que dans le contrat, il était clair que Gabon 24 devait nous fournir le lieu de tournage. Jusqu'à présent, Gabon 24 ne m'a jamais présenté de contrat, notamment aux Nomades, où on tournait l'émission, en disant, oui, c'est bon, j'ai le contrat, vous pouvez tourner. Donc, jusqu'à la veille même des émissions, la première émission a été tournée grâce à Marie-Noël et Sokamba, qui était l'animatrice de nos émissions, qui par ailleurs a même été virée de Gabon 24,
sans le respect de ses droits. Ça, c'est une autre parenthèse. Toujours par Laure Bigourd. Et j'assume ce que je dis. Si c'est faux, rapprochez-vous de Madame le Marie-Noël Issoukamba, elle vous dira. Elle vous présentera son contrat. Ça, c'était une parenthèse. Donc, grâce à Marie-Noël Issoukamba, nous avons pu tourner le premier numéro qui a été livré. Nous avons reçu des félicitations de la DG, de la DGA, etc., etc. Donc, pour les autres émissions, vous comprenez que nous, pour pouvoir être payés, il fallait que nous puissions terminer toutes les autres émissions. Pour vous dire, hein, pour chaque émission, il y a plus de 10 personnes. Indépendamment des techniciens, j'ai une équipe de rédaction composée de journalistes chevronnés qui sont à travers, là, à travers le Gabon, dont je ne citerai pas les noms. Donc, j'ai demandé à Madame Bigourd plusieurs fois, par courrier, par écrit, par appel, Madame Bigourd, nous voulons terminer la réalisation de ces émissions. Êtes-vous prêt de votre côté? Nous avons déjà réalisé tous les PDA. Nous sommes allés tourner dans tout le Gabon. OIM, Bitam. Nous voulons être payés parce que ça fait plusieurs mois. Nous vivons que de ça. Nous nous sommes mis à 100% dans ça. Surtout que ce n'était pas des émissions politiques. Je vous dis que j'ai horreur de la politique. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas de politique. Comme je le dis souvent en blaguant, je dis si je fais de la politique, mon parti sera le parti des caméramans et des hommes de médias. En fait, pour vous dire, la petite blague. Je ne fais pas de politique. Je ne suis dans aucun parti, ni au PDG, ni, je sais pas, à l'opposition. Je ne fais pas de politique parce que j'estime que pour développer un pays, on n'a pas besoin de politique. J'ai appris un métier. J'ai été 12 ans au Sénégal. Aujourd'hui, ce que je suis en grande partie, c'est grâce à la population, à la nation sénégalaise, qui m'ont montré qu'on peut être un pays pauvre, mais qu'on peut s'en sortir en travaillant. Là encore, c'est une parenthèse. Donc j'ai dit à cette dame plusieurs fois que nous avons besoin de terminer les éléments, les PAD, tout est là. Pour vous dire, la veille même de tournage des émissions, d'anciens ministres qui se reconnaîtront là, d'anciens ministres ont été contactés parce qu'ils devaient participer à l'émission, etc. Tout le monde était prêt. Madame Bigourd, Marie-Noël Ada, la DG adjoint. Combien de fois j'ai essayé d'appeler Madame Bigourd qui ne répondait plus au téléphone? Combien de fois j'ai envoyé des mails? Combien de fois? À un moment donné, bon, ils ont daigné quand même nous payer le quelques miettes. Mais bon, bref. C'était vraiment, c'est quoi, 1 million, 2 millions, je sais plus. Bref, à Noël, j'ai demandé à Madame Bigourd, j'ai dit mon personnel, j'ai pas payé mon personnel. Faites tout, ne fût-ce que pour que je puisse avoir 1 million, ne fût-ce que pour permettre à mon personnel de passer Noël, d'offrir des cadeaux à leurs enfants, etc. Mais vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Je peux rien pour toi, j'ai 80 employés, je peux rien faire. Mais je suis désolé, j'ai signé un contrat avec des clauses claires. Ce contrat n'a pas été respecté, Madame Bigourd. Vous ne l'avez pas respecté. J'ai fait preuve de patience. En janvier, je suis venu à votre bureau en présence de mon comptable. Vous vous rappelez de la conversation que nous avions eue? Je vous ai dit, mais Madame Bigourd, peut-être que vous avez des difficultés ou je ne sais pas. Je ne vais pas exiger que vous me payiez la totalité ou je ne sais pas tout de suite. Mais essayons de trouver une entente pour que vous puissiez ne fût-ce que nous donner une partie ou quelques miettes de ce que nous avons travaillé. Qu'est-ce que vous nous avez dit en présence de votre DGA? Oui, vous avez raison, on fera tout. Nous étions en janvier. Entre-temps, vous m'avez envoyé un courrier en me disant que je vous devais de l'argent parce que vous avez rémunéré l'animatrice Marie-Noël Issoukamba, qui dans le contrat que j'ai, devait être moi. Mon animatrice, rémunérée par moi, par mes soins, c'est là. Le contrat, il est là. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est là. C'est là. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est là, Marie-Noël Issoukamba. Demandez-lui, elle est là. Du jour au lendemain, vous m'avez appelé en me disant que je vous dois plusieurs mois. Parce que tout simplement, de ce que j'ai compris, moi, ce que je payais, ce que je devais payer pour Marie-Noël Issoukamba, vous en profitiez pour lui faire tourner d'autres émissions, notamment la matinale à Gabon 24. Je vous ai demandé
Mais comment ça se fait que je vous dois des mois, vu que c'est moi qui suis censé rémunérer cette dame? Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez imposé de vous faire un avoir, soit en numéraire, soit que je vous donne des programmes en compensation. Vous me l'avez imposé, madame. Je l'ai fait. Est-ce que je ne vous ai pas fourni ce programme? Dites-moi, je ne vous l'ai pas fourni ce programme qui passe en boucle? Le programme où à la fin, je suis sur le mont Koum, avec la statue, avec la croix tout en haut de la montagne, je ne vous l'ai pas fourni? Je suis entré en production pour ça. Ensuite, je vous ai dit, ok, vu que vous avez décidé apparemment de prendre à votre compte le paiement de l'animatrice des émissions que je devais produire, alors dans ce cas, il faudrait qu'on modifie notre contrat via ce qu'on appelle un avenant. Je ne sais pas si vous êtes administratif, mais lorsqu'on modifie un contrat, qu'on trouve un accord en deux parties, ça se fait via ce qu'on appelle un avenant. Vous m'avez dit, ok, faites une proposition. Je vous ai fait une proposition de cet avenant qui entérimait les modifications selon lesquelles vous aviez décidé de retirer de ce que vous deviez me payer le salaire de l'animatrice. Vous vous rappelez? Je l'ai fait cet avenant. Nous étions quand? Nous étions en novembre. Vous m'avez dit, ok, dans une semaine, je vous reviens le temps que le document aille chez l'avocate, chez votre avocat. Vous vous rappelez? Les mails sont là, les conversations sont là. Depuis novembre, je vous demande cet avenant. Non seulement je vous demande le premier contrat signé, cacheté, que Ike Ngouni était censé avoir signé. Je vous le demande pour pouvoir prouver de ma bonne foi. Mais j'ai là l'exemplaire. Il est là l'exemplaire. Hein? Vous rappelez l'exemplaire que vous m'avez envoyé sur Yahoo par mail? Il est là l'exemplaire. Vous rappelez? C'est ça, c'est celui-là. Tous les autres contrats ont été signés par vous parce que vous étiez passé DG de Gabon 24. Mais l'autre contrat avait été signé par Ike Ngouni. Il est là le contrat. Ça, c'est l'exemplaire. Voilà pourquoi c'est souligné en jaune. Pourquoi jusqu'à présent vous refusez de me remettre ce contrat? Pourquoi? Comment ça s'appelle en droit ce que vous faites? Nous avons négocié, nous sommes tombés d'accord sur quelque chose. Je vous ai livré le travail. Vous m'avez payé pour ça, pour cette partie. Vous avez utilisé mon travail. Et vous refusez de me donner le contrat pour que je puisse prouver de ma bonne foi. Ou alors il faudrait que je mette en ligne tous les mails, toutes nos conversations. Parce qu'aujourd'hui, vous me faites passer pour celui qui veut arnaquer Gabon 24. Vous me faites passer pour celui qui, je ne sais pas, qui réclame de l'argent pour un travail qu'il n'a pas fait. Vous savez, tous mes collaborateurs veulent monter au créneau. Je leur ai dit non, restez dans l'ombre. Je préfère m'exposer moi. Je leur ai dit restez dans l'ombre. Mais croyez-moi, ils sont là. Ils sont là. Ensuite, beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi je suis passé par les réseaux sociaux par rapport à cette affaire? Mais je vais vous le dire. À la suite de toutes ces revendications, nous sommes en janvier, Madame Laure Bigour m'appelle pour me dire, voilà, Bernard, tu peux venir, l'avenant est revenu de chez l'avocat, il est prêt. Je dis, ok, super. J'arrive. Et bien, lorsque j'arrive à la présidence, à ses bureaux, elle me tend deux courriers. Je ne sais plus si elle me tend ou si c'est elle envoie son conseiller, je ne sais plus. Bref, je reçois deux courriers qui m'informent, écoutez bien, qui m'informent que tous nos contrats sont suspendus. Tous nos contrats sont suspendus. Je pense que pour ceux qui ont fait droit, vous savez ce que ça veut dire. Et je vous rappelle que tous nos contrats annuels s'élevaient à plus de 230 millions de francs CFA. En euros, je n'ai pas calculé. Je crois qu'on est à peu près à peut-être 300 000 euros, je ne sais pas. Je n'ai pas calculé. J'ai les documents de tout ce que j'avance. Ils sont là. J'ai les documents de tout ce que j'avance. Les ordres de mission, vous voyez? Les différents ordres de mission du travail que j'ai effectué pour Gabon 24. Excusez-moi, hein, c'est un peu le désordre.
Bref, je verrai avec mon avocat si j'ai la possibilité de les scanner et de les mettre en ligne afin que tout le monde, et les juristes, et toutes les personnes puissent en juger d'eux-mêmes. Donc, à la suite de ça, Madame Laure Bigour suspend de façon unilatérale tous nos contrats. Je me pose la question. Je n'ai jamais reçu de lettre. Je n'ai jamais reçu de lettre comme quoi j'avais défailli à nos contrats. Je n'ai jamais reçu de courrier, de message, de SMS. Jamais! Sauf si Madame Laure Bigour est en mesure de me le prouver. Je n'ai jamais rien reçu. Et du jour au lendemain, paf, tous nos contrats sont suspendus. Donc je lui fais comprendre que Madame Bigour, vous ne pouvez pas suspendre nos contrats. Il y a une démarche à faire. Je n'ai violé aucune règle de droit. Je n'ai violé aucun des articles de nos contrats. Vous ne pouvez pas suspendre ces contrats. Et quand bien même vous vouliez les suspendre, là je vous dis, on est en janvier, hein, il n'y a pas encore d'histoire de corona ou de confinement. Et quand bien même vous voulez suspendre ces contrats, payez-moi ce pour quoi j'ai déjà réalisé comme travaux. Selon l'article 7, selon l'article 12 de nos contrats, je vais vous le dire. Parce que tout ça, c'est prévu dans nos contrats. C'est là. L'article 12 de tous nos contrats dit ceci. Article 12, annulation du fait de Gabon 24. L'annulation du fait de Gabon 24, dès lors que To Be Winner a obtenu l'accord pour engager les frais de production, donne lieu au remboursement des frais engagés par la société de production. Sur justificatif. Par frais engagés, il convient d'entendre les salaires de l'équipe de production, les fournitures, les engagements irrévocables. En tout état de cause, il sera remboursé à la société de production To Be Winner, donc c'est-à-dire la mienne, tout travail réalisé antérieurement, tel que les prises de vue et les interviews pour les PAD. C'est là. C'est écrit noir sur blanc. C'est sa signature là. Hein, vous voyez qui est en bas. Et ma signature qui est là. Mais enfin, Madame Bigour, je vous ai envoyé un courrier vous rappelant ça. Et quelle a été... Quelle a été votre réaction? Justement, j'ai envie de prendre quelqu'un. Là. Est-ce qu'on a le droit de suspendre un contrat comme ça? Parce qu'il y a Marie qui pose la question. Hein, Marie qui demande, a-t-on le droit de suspendre des contrats comme ça? Ou est-ce que c'est de l'abus? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Gobam, je sais pas, Cédric. Ou même Apôtre. Oui, je peux répondre. Oui. Bon, vas-y, réponds si tu veux. Non, vas-y, Gobam. Oui, un contrat peut être suspendu. Si le contrat stipule que le contrat est suspendable, c'est tout. Donc, tout dépend de la manière à laquelle le contrat a été formulé. En l'occurrence, ici, il cite l'article 12 de son contrat, dans lequel il est dit que le contrat peut être révoqué. Mais, s'il y a eu des dépenses avant la rupture du contrat, la partie qui est engagée doit débourser de l'argent et payer les salariés au moins jusqu'à cette période-là. Donc, il peut être évoqué avec des conditions. Et ce sont ces conditions qu'il a transmises à Madame Bigour, qui est quand même française. Donc, elle parle le français, elle sait lire, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est possible. Mais, justement, il y a des stipulations dans les contrats qui sont des provisions pour ce genre de cas de figure. Il faut simplement respecter la loi, c'est tout. Enfin, en un mot, hein, le monsieur, il est très légaliste, il veut simplement que la loi soit respectée et qu'il ait ce pourquoi il a déjà travaillé. Il ne demande ni plus ni moins. Voilà. Est-ce que l'apôtre veut rajouter quelque chose, apôtre? Ou Cédric? Allô? Mais moi, je pense qu'ils ont signé un contrat. Si dans ce contrat, il y a les deux signatures, c'est que les deux sont tombés d'accord sur ce contrat-là. Et si sur ce contrat, il est mentionné que pour qu'il y ait résiliation unilatérale, il faudrait forcément que les performances menées en amont soient complètement payées, mais il est dans ses droits. Je pense même que dans le droit gabonais, il doit avoir une loi dans ce sens-là qui doit spécifier la portée. Moi, je pense qu'une résiliation unilatérale pour qu'il y ait une, et ça, c'est dans tous les contrats, même nous qui travaillons. Tu ne peux pas décider, ton patron ne peut pas te licencier sans te payer au moins le dernier mois où tu as travaillé. Comme tu ne peux pas décider de quitter unilatéralement une entreprise, suivant conformément à la procédure, sans être payé au moins le dernier mois où tu as travaillé. Donc, pour moi, ce n'est que pure logique
de recevoir au moins ce qu'on a fait avant la suspension. Enfin, pour moi, c'est une question presque oratoire parce que on ne peut pas se suspendre un contrat sans être payé pour ce qu'on a fait en amont. Et je crois que si c'est écrit dans ce contrat que les deux parties ont signé, ben, que ce contrat soit respecté. Et c'est là le vrai problème dans cette histoire. C'est que deux parties ont signé un contrat, mais il s'avère que l'une des parties ne voudrait pas respecter et qui de manière abusive impose au second, qui est Monsieur Bernard, de tout simplement se taire et d'accepter de supporter ça comme ça. Là, je m'excuse d'intervenir sans la parole, mais il faut aussi préciser le passif de Madame Laure Bigour. C'est-à-dire En 2019, en juin 2019, il y a une employée gabonaise qui s'appelait Gladys Makanga, qui est décédée. Elle était employée à Gabon 24, mais pour des raisons de maladie, elle avait dû s'absenter du travail. Et par la suite, Madame Laure Bigour avait demandé aux huissiers de justice qui sont assignés à cette chaîne de télévision de la traîner en justice pour réclamer, je crois, des mois de salaire payés sans travail. En tout cas, l'histoire est sur les réseaux sociaux. C'est sur Info 241. Elle s'appelle, je répète, Gladys Makanga. Elle est morte. Donc, on voit bien que Madame Bigour sait qu'au Gabon, il y a une justice et elle comprend l'importance des contrats parce qu'elle n'avait pas hésité une seule seconde à exiger que cette employée gabonaise qui était malade remplisse les conditions de son contrat. Donc, aujourd'hui, c'est la même personne qui joue à cache-cache lorsque un Gabonais réclame son dû sur la base de ce qui a été signé. Et je demande aux gens comme Arnaud Rawlings, qui viennent jouer les avocats du diable, de taper le nom Gladys Makanga sur Google, et ils verront eux-mêmes l'article qui parle de cette jeune Gabonaise de 33 ans qui est morte, hein, parce qu'elle ne pouvait pas tranquillement se reposer. Elle avait une directrice qui la harcelait légalement sur la base du contrat qu'elle avait signé. Donc, elle n'a pas été charitable avec une Gabonaise sur la base de textes juridiques, sur des contrats signés. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'elle ne peut pas comprendre qu'il lui faut elle aussi appliquer la loi et payer à ce monsieur l'argent qui lui revient? Et tout, et vous tous, hein, qui êtes connectés maintenant, tapez sur Google Laure Bigour, Gladys Makanga, Info 241, vous verrez l'article. La dame, elle est très connue, elle est morte et il y a même eu une pétition à l'époque sur le site AAVVVZI, à Vaz, je crois, pour demander le licenciement de la directrice de Gabon 24, Laure Bigour, face à ce problème qu'il y a eu à Gabon 24. Donc, c'est très, très connu. Hein. Ils ont perdu une condisciple de travail. Et voilà. Donc, elle est connue pour utiliser la loi gabonaise pour persécuter les gens. Mais aujourd'hui, elle est populaire pour ne pas respecter la loi gabonaise et vouloir dribbler un Gabonais de son salaire. Voilà. Petite parenthèse. Merci, Gobam. Il y a Arnaud Rawlings qui dit « C'est pas un contrat à vie, c'est un contrat de prestation de service. » Et j'ai envie de poser la question à Monsieur Rawlings, est-ce que, peu importe ce contrat, est-ce qu'on a le droit de le résilier sans préavis, par exemple? Sachant que ce monsieur nous dit que on était bien avant la période de coronavirus, donc il n'y avait pas lieu d'interrompre ce contrat. Donc après, voilà, et je pense que lorsqu'on interrompt un contrat, il y a aussi des dommages qui vont avec. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on vient de mettre, hein, si vous souhaitez rejoindre la discussion, vous pouvez cliquer sur ce lien et puis interagir avec nous, donner votre point de vue, votre sentiment. Oui, il y a notamment Gilbert qui a demandé la parole. Vas-y, apôtre. Oui, en fait, ce que moi je retiens, c'est que M. Rikula a fait preuve de naïveté. Parce que quand on écoute son récit, le contrat devait être apparemment validé par la hiérarchie, donc par M. Aïk Ngoni. Il n'a jamais vu le contrat finalisé avec la signature de Aïk. Déjà, à cette étape-là, déjà, il aurait dû arrêter ses prestations. Le fait qu'il n'est pas là le délai sur le contrat. Donc, la personne qui... C'est problématique. Ah, bon, est-ce que tu peux reprendre un peu parce qu'il y a des coupures un peu... On n'a pas bien entendu. Alors, s'il te plaît.
le document qui te lie à cet emploi ou à ce travail n'est pas finalisé. Déjà, à ce niveau-là, il a fait preuve de naïveté. Mais quand vous dites « fait preuve de naïveté », on a quand même... quelque part, le dos, peut-être je vais galvaniser un peu le mot. Hein. Là, tu es prestataire. Tu es un travailleur autonome, tu es prestataire. Oui, mais quand on a la présidence gabonaise ou l'État, je ne sais pas quoi, en face. Présidence, c'est pas la présidence. On a une chaîne de télévision, c'est pas la présidence. Bah, l'autorité derrière, c'est qui? Parce que tout à l'heure, on a dit que la chaîne se situe dans la présidence ou je ne sais pas. Oui. Quand bien même. Ça aurait été un contrat avec la présidence. Je suis désolé. Quand l'autorité de tutelle ou quand c'est un contrat à tripartite que la troisième partie n'a pas signé. Mais il faut être fou. Il faut être fou pour commencer à travailler. Je suis désolé. Moi, je fais de l'import-export. Quelqu'un va me commander une marchandise. On n'a pas commencé à traiter de la marchandise. On n'a pas signé le contrat. Je vais charger un conteneur pour envoyer. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vas-y, Pote, si vous souhaitez rebondir. Gobam, je crois que c'est Gobam qui voulait rebondir. Allô. Oui, mon micro a été bloqué, désolé. Tu m'entends? Oui. Ça passe? Oui. Oui, là. Je ne pense pas qu'on devrait qualifier M. Ricoula de naïf. C'est un patriote. Il fait une prestation pour une chaîne de télévision qui est quand même prisée, qui est Gabon 24. Loin de lui de penser qu'il va faire des escrocs. Vous comprenez? Et c'est ça, parce que dans les affaires, il y a des contrats, c'est vrai, mais il y a aussi la bonne moralité, il y a la bonne foi. Donc, c'est quand même dommage hein, qu'on le traite de naïf, alors qu'il avait affaire à quand même une institution. Tu as déjà travaillé avec le Gabon. Vous pourrez suivre mon propos, s'il vous plaît. Mais c'est un peu ça, mais quelque part. Une seconde. Je pose juste une question. Est-ce que tu as déjà travaillé avec le Gabon? Monsieur Apôtre. Nous savons tous qu'il y a des problèmes. Non, réponds à la question par oui ou par non. Ce n'est pas important. Non, c'est très important. N'importe qui a fait affaire avec le Gabon va te dire que l'État est un mauvais payeur. L'État paye déjà en retard. Quand tu travailles avec le Gabon, tu sais déjà que tu vas donner au trésor public pour te faire payer. Je te rejoins à 100%. Tu sais, non, je le sais. Les conditions réelles du pays. Tu ne peux pas livrer un travail quand... En tout cas... Bon, écoutez, Apôtre, d'accord, j'ai compris ton point, je te rejoins. Au Gabon, il y a des problèmes de paiement, on le sait tous. Mais il est différent d'être payé en retard et d'être pas payé tout court. Là, on a affaire à un cas où il n'a pas reçu son argent, il n'y a pas de retard. Il y a un refus de lui donner ce pourquoi il a travaillé. Et ça, quand même, c'est de l'escroquerie. Et tout à l'heure, Mais il y a eu quand même du retard, monsieur. Il a dit dans ce live, il y a un, deux, trois mois. En retard, mais maintenant la somme qu'il réclame, il ne veut pas la lui payer, il ne s'agit pas de retard, maintenant c'est un refus de lui donner son argent. Donc, Apôtre tantôt disait qu'il a affaire à des escrocs, et je rejoins Apôtre, ce sont des escrocs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des escrocs à la présence du Gabon, de moi à Gabon 24? Pourquoi est-ce que la directrice est une escroc? Pourquoi est-ce qu'on a des escrocs qui gèrent la République? Voici la véritable question. Je vais répondre à ta question. Monsieur Aïd Ngoni, il est où aujourd'hui? Effectivement, mais qui l'a nommé là? Qui l'a nommé à cette non, position? Non, la réponse à ta question. Il est où aujourd'hui, M. Aïk Ngoni? Il est en prison. Bon, du moins, il est en prison. Donc, on s'entend déjà qu'il y a eu un grand scandale de malversation avec l'administration Alianga. Mais qui nomme ces gens? Mais qui nomme ces gens? On se pose la question. Qui nomme ces personnes à cette place? Est-ce qu'il n'y a pas une enquête de moralité? Je ne sais pas. Monsieur Apôtre, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'escrocs dans la République?
Pourquoi qui les nomme là? Ici, se nomment eux-mêmes? Non, c'est pas seulement la présidente de la République. Ils arrivent par magie. Non. Monsieur Apôtre, c'est pour de langue de bois. C'est sans tabou, Moi, je comprends Apôtre à 100%. On est d'accord. Mais je dis juste à Monsieur Apôtre qu'il doit comprendre que quand même, recruter les bonnes personnes limiterait quand même les dégâts au niveau de tout ce qu'il y a comme escroquerie dans les administrations gabonaises. C'est tout faisant un effort d'avoir des bonnes personnes pour limiter les dégâts. Mais Gobam, va-t-on dire c'est le Gabon et on va encore faire comment? Attends, Gobam, est-ce que tu vois, c'est écrit sur le front de M. Aïe Ngoni? Est-ce que tu as vu écrit sur son front? Monsieur Apôtre, on remarque juste que toutes les personnes qui sont choisies à des positions clés depuis 10 ans sont tous des escrocs. C'est un problème. Hein, c'est un véritable problème. Avant le problème de M. Lagrouche, il y a eu le problème du Kevasibo. Il y a eu des ministres qui ont été éjectés. Ensuite, lui-même, qui était aux commandes, il est éjecté. Donc, comment se fait-il que, dans un gouvernement... Je vais corriger ce que tu as dit. Je vais rectifier ce que tu as dit. Okay, quand tu dis qu'on remarque qu'il y a des escrocs au Gabon depuis 10 ans, c'est pas vrai. Ça fait 50 ans qu'il y a des escrocs au Gabon. Depuis que le Gabon est Gabon, il y a des escrocs au Gabon. Les administrations du Gabon. Donc, quand tu viens me parler de... Allez, s'il vous plaît, on va encadrer un peu les choses. Apo, termine. Allô, Apôtre. Il y a un problème de réseau chez Apôtre. Ok, alors on va prendre... il y a Monsieur Gilbert qui nous a rejoint. Allô, bonsoir. Le sniper. Vous pouvez activer votre micro, Il n'est pas activé. Il faut activer le micro, on vous entend pas. Non, active son micro, apparemment il sait pas comment non, faire. Moi, je peux pas activer le micro, je peux juste désactiver, je peux pas activer. Il faut qu'il clique sur le micro. Sur votre téléphone, là, il faut appuyer sur la partie micro. Gilbert, appuie sur l'icône qui est comme un micro qui est en face de l'écran pour que le micro s'active. Ton micro est bloqué pour l'instant. Il faut lui dire que c'est un petit truc à gauche comme ça, c'est à gauche. Là où il y a le bouton rouge, il regarde à gauche. Le bouton qui est à gauche du bouton rouge. Appuie dessus. Ah, oh, je comprends pas. Ou sinon, mais je crois qu'il avait activé, il avait réussi à l'activer là, allô. Il faut le rajouter, parce que quand on le rajoute, automatiquement le micro sera ouvert. Il faut le rajouter. Bah, faut qu'il... Ouais, c'est compliqué tout ça. Il faut qu'il relance l'appel au pire. Allô? Comment montrer là? Oh là, attendez. Parce qu'on parle bien d'émergence, hein. Vous répondre à la pote rapidement, monsieur Nassim, vous permettez. Vas-y. Moi, je juge le Gabon. Parce que depuis 10 ans, le président Ali Bongo est venu avec un nouveau slogan d'émergence. Donc, on comprend bien qu'il doit y avoir une rupture entre les anciennes habitudes et les nouvelles habitudes. Mais se fait-il qu'aujourd'hui, on constate malheureusement, comme l'apôtre l'a si bien dit, que le vol règne toujours au niveau de l'État et que ce sont des hauts fonctionnaires qui volent et qui manipulent le système. Et c'est un véritable problème. Hein? L'émergence nous impose d'avoir une administration saine et des gens honnêtes, des gens compétents et patriotes pour gérer l'affaire de l'État. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, il faut vraiment que ça change. Mais comme on l'a dit, l'État est mauvais payeur partout. Hein. L'État, enfin, mauvais payeur, l'État n'est pas forcément mauvais payeur, mais l'État paye avec un certain retard. Mauvais payeur, c'est pas voleur. Attention, on peut être mauvais payeur, mais voleur, c'est autre chose. Voler, c'est voler. Payer en retard, c'est payer en retard. Il m'arrive de payer souvent des factures en retard, mais je ne suis pas un voleur. Un voleur, c'est celui qui a de l'argent, mais qui refuse de te le donner parce qu'il ne veut pas te le donner. Il y a une grande différence. Il y a des crises économiques partout dans le monde, mais ceux qui consciemment refusent de payer quelqu'un alors que les caisses sont pleines et qu'il y a de l'argent, c'est autre chose, c'est de la méchanceté, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Donc il ne faut pas qu'on se trompe de terme, hein. Ok, payer en retard, on peut le comprendre, et quand c'est le cas, on est poli, on est courtois, on dit écoutez monsieur, on a des problèmes budgétaires, on s'excuse, il y a des retards de paiement, soyez patient. Attendez, voilà. Attendez, on va prendre monsieur Ngombe, allô, bonsoir. Allô? Je vois monsieur Ngombe 241. Allô, vous m'entendez? Il
Évidemment, on a des problèmes. Enfin, j'ai deux personnes qui sont connectées, mais on ne peut pas parler. Est-ce qu'il nous entend ou pas? Allô? C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué? Alors, cela se passe partout. À ce moment, rappelez-vous, j'avais déjà saisi un avocat. Rappelez-vous que tous nos courriers, mails, tous nos échanges électroniques étaient, tous nos courriers étaient tous nos échanges électroniques, il y avait en attache, il y avait mon avocat. Vous vous rappelez? Et vous vous rappelez que plusieurs fois, je vous ai demandé, Madame Bigot, que nous puissions trouver une solution à l'amiable. Parce que, entre-temps, je suis quand même Gabonais, je vis au Gabon, je sais qu'il y a une crise. Je sais que l'État n'a pas forcément. Le trésor n'est pas forcément garni. Je sais également que l'État a des priorités. Je le sais, mais je vous ai demandé, Madame Bigot, qu'on essaye de trouver un arrangement. Parce qu'au-delà de ça, je suis un père de famille. J'ai des employés qui eux-mêmes ont leur famille. J'ai des charges, Madame Bigot. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Vous m'avez envoyé un courrier où vous me disiez que Gabon 24 me doit Allô? strictement rien du tout, dans un premier temps. Je vous ai renvoyé un Ouais. courrier Oui, après vous on vous m'avez entend. dit Allô? que si. Allô, vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Bonsoir. Oui, moi. Bonsoir. Vous avez enfin réussi. Ben, dis donc, ben oui, le sujet me tient à cœur. Le sujet me tient à cœur que j'ai dû faire le nécessaire. Bien, Super. salut Gobam, et je salue d'abord tout particulièrement la bravoure et la Salut le... détermination de Gobam de pouvoir défendre corps et âme à notre frère gabonais. Mais Georges, je vais te dire une chose, que j'ai juste des conseils à apporter à mon frère, hein, par expérience. Je souhaiterais justement faire comprendre à notre frère Rekoula qu'il sache d'abord que on ne dit pas tout forcément ici, étant donné que il a une convocation à la DGR. Et Ngobam, toi et moi, nous savons exactement de quoi sortirait de cette histoire par rapport à la DGR. Nous savons déjà ce qui se passe Il se et ce passe qui va y avoir lieu. C'est quoi? de l'in... Il se passe quoi? On est sur son tabou, il se passe Il se quoi? passe, il se passe tout simplement que si vous avez des bons souvenirs, je vous le dis très clair, Gobam va pouvoir certifier ce que je dis. Il s'agit d'abord de Aïk Ngoni, de Brice Lacruche dans cette affaire. Et si Rekoula est très franc, il va me dire qu'il y a eu du copinage. Tous les marchés de gré à gré qui se passent avec la présidence de la République, c'est une affaire de copinage. C'est-à-dire qu'on viole strictement la règle de droit qui veut que, avant toute démarche, Monsieur Rikula aurait dû avoir un contrat signé des deux parties, c'est-à-dire lui et la partie adverse. Étant donné que le PCA, qui était tout simplement le tout-puissant de la présidence, qui baisait certainement, je suis cru, hein, je suis comme ça, qui baisait certainement la fameuse régente de la française qui aujourd'hui pense que le Gabon lui appartient, ou à défaut, Brice qui la baisait, Brice Lacruche, se sont mis au-dessus de tout ce qui pouvait être la règle régissant tout acte de droit relatif à ce genre de marché. Il faut reconnaître une chose, c'est que la présidence de la République est une institution. Il y a bien des services qui dépendent directement de la présidence de la République, mais ce n'est pas la présidence qui les paye. Le seul fonds de la présidence est la caisse noire du président de la République, dont on peut mettre la main, c'est-à-dire les directeurs de cabinet, adjoints et autres, et les aides-de-camp, selon l'amour et le degré qu'ils ont avec le président de la République. Le président de la République ne règle aucune facture. La présidence de la République ne règle que tout ce qui est relatif à son budget, qui est lui-même dépend du trésor public. Donc, une société, qu'elle soit directement liée à la présidence de la République, ne relève en rien de l'autorité financière du président de la République. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que Aïk Rekoula peut être honnête. Il est un professionnel. Il voulait faire du bon travail. Il voulait se marcher. Il a passé la main sur la règle de droit Là, c'est Gilles qui entend. qui définissait Allez-y, continue. exactement,
ce qu'il devait faire. Maintenant, quand il a commencé à pressentir que les choses n'allaient pas à sa faveur, comme a dit l'autre intervenant, automatiquement, il devait arrêter, étant donné qu'il était encore en cours de parcours et qu'ils avaient encore besoin de lui sur plusieurs prestations. Mais il y avait un contrat qui le liait, il y a un contrat qui le liait, je suis désolé. Il y avait un contrat qui le liait, qui devait s'amener à son terme. Je suis désolé, monsieur Rekoula. Monsieur Rekoula le dit bien, jusqu'à aujourd'hui, ce contrat a été même déchiré. Il a presté sur un autre contrat qui a été édité par la suite. Oui, mais sa première prestation relève du premier contrat qui n'a pas été signé, mais il avait déjà presté. Donc, quand il veut réellement avoir gain de cause de ce contrat, qui lui permet justement, il vous a dit que malgré les autorisations de survol du territoire et de certains sites, il lui fallait ce contrat pour qu'il évitait de faire appel encore à Madame Bigour. C'est-à-dire que s'il avait son contrat en tant que prestataire et les autorisations, il n'avait plus besoin de revenir vers Madame Bigour. Sauf que, n'ayant pas ce contrat qui lui permettait de prester sans contrat, il était déjà en tort et en faute. C'est-à-dire que si Madame Bigour est maligne, elle peut lui réclamer même de l'argent reçu à l'absence d'un contrat. C'est pourquoi Madame Bigour le fait chanter, en lui demandant de lui redevoir, retourner de l'argent, et il accepte, vous rendez compte, il se met en tort, il accepte de payer par des services, alors que lui, il a déjà presté sur un contrat dont il n'a pas le contrat physique. Lui, il a signé sa partie, mais la partie signée par le Aït Ngoni, qui devait lui être retourné, n'a jamais été faite. Donc, il y a eu absence de contrat. Et si on va au tribunal, je vous assure, il perd le procès parce qu'il y a eu absence de contrat. Seul le contrat peut déterminer les réclamations des prestations dont il définit. Mais justement, c'est pourquoi. Attendez, monsieur, dans cette vidéo qui nous présente, il montre très bien les contrats avec des signatures. Il montre. Ça, c'est les contrats qu'il a. Ça, c'est les contrats qu'il a menés à terme après qu'elle a bien voulu payer. Mais maligne qu'elle est, je vous dis, rappelez-vous de ce que Georges dit. Elle a fait le coup à une dame qui est décédée. Quand on repart dans le début de l'affaire, il a presté sur le premier contrat dont elle a fait disparaître. Et elle va payer sur des contrats qu'il exécute, mais qui sont plus chers que les premiers contrats. C'est pourquoi la somme est colossale. Et sachant très bien qu'elle lui doit réellement ces sommes, elle va chier sur sa tête pour faire disparaître les premiers contrats et le met en faute parce qu'il ne peut pas prétendre qu'on lui doit sur l'exécution des contrats qui n'existent pas. Monsieur Rekoula, s'il nous entend, il sait très bien qu'il est conscient que c'est là où il s'est fait avoir. Mais je vais m'arrêter là. Je vais donner un conseil à mon petit frère. Monsieur Rekoula, j'ai appris que vous avez la nationalité française. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai travaillé au bureau de coopération militaire près de l'ambassade de France au Gabon. Donc, sur les ordres du colonel Sayar et du lieutenant-colonel Fiorina. Je vous apprends que je connais les dossiers relatifs aux nationaux et aux binationaux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous avez une convocation. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il a une convocation, c'est ce qui lui donne sa force. Le simple fait qu'il est inquiété, il doit se rapprocher du service juridique près de l'ambassade, le consulat de France, chargé de l'assistance des Français à l'étranger. Il présente, accompagné d'un huissier de justice ou de son avocat. Bon, il a la double nationalité, il a exercé en tant que Gabonais ou Français. On s'en fout. On s'en fout. Sur le sol gabonais, sur le territoire gabonais, il n'y a que la nationalité gabonaise qui prévaut. L'État gabonais. Écoutez, la loi ne dit pas ça. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont arrêtés en 2016, ils avaient la double nationalité. Mais ça, c'est ça. Écoutez, ne confondez pas la politique, comme a dit ne confondez pas la politique et une affaire de droit commun. C'est un exemple. Une affaire de droit commun. C'est un exemple. Oui, mais c'est pourquoi je dis, ne politisons pas, nous allons gagner. Quand vous mettez la politique devant, vous leur donnez les moyens de nous taper dessus. Donc, moi, je vous le dis par expérience. Je vous dis tout simplement que c'est de l'intimidation. Et par intimidation, on va à l'intimidation. Je vous dis tout simplement que s'il arrive au bureau d'assistance des Français à l'étranger, il présente la situation, son avocat, accompagné de son avocat, le numéro de la convocation sera enregistré. Donc, si dans les 48 heures, il n'a pas fait signe, son avocat, qui ne peut pas être gardé, ira donner la suite de la convocation. À partir de ce moment, le service juridique de l'ambassade va l'affecter un avocat et va saisir le procureur de la République. Parce que vous savez,
tant que le procureur de la République n'est pas saisi, la gendarmerie peut faire ce qu'il veut. D'accord. Je vous le dis. Reste avec nous. Okay. Ne partez pas. On va prendre un appel depuis le Gabon. Allô, bonsoir. Rodolphe, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Un peu plus fort, oui. Ok, vous m'entendez là? Super. Ok, d'accord. Bon, j'ai écouté tout à l'heure l'intervention de monsieur tout de suite là. Je crois qu'il connaît pas vraiment, la loi au Gabon. Quand vous avez la double sécurité au Gabon, il faut vous arriver avec votre double sécurité au Gabon. Tant que vous mettez le pied sur le sol gabonais, vous perdez votre deuxième nationalité. Parce que vous êtes considéré comme gabonais. Ça, c'est le 1. Et de 2, il demande à M. Ekula de se rapprocher de l'ambassade, ça a été déjà fait. Et je veux l'informer que l'ambassade lui a dit quelque chose. Vous avez la double nationalité, vous êtes au Gabon, vous êtes considéré comme gabonais. On précise, il s'agit bien de l'ambassade de France. Pardon, l'ambassade de France, il a déjà été à l'ambassade de France. Ça a été déjà fait. D'accord. Et l'ambassade de France peut lui garantir ceci. Le protéger pour que ses droits soient respectés et qu'il ne soit pas maltraité, c'est tout. À part ça, rien. Rien d'autre. Mais c'est exactement ça. Maintenant, pour l'autre histoire du contrat qui a été déchiré, soi-disant déchiré, parce que lui, il n'a pas vu le contrat déchiré, mais ça a été soi-disant déchiré, je vous fais comprendre les choses. Moi, je fais du business au Gabon, je vis ici depuis longtemps. Il y a des choses qui se passent au Gabon que vous ne pouvez pas comprendre. Sur ce contrat, M. Ekouba avait déjà signé et mis son cachet. Mais oui. On n'entend plus, on n'entend plus. Allô? Il y a le café qui a été versé dessus. Il n'a jamais vu le contrat abîmé. On lui a fait comprendre que le contrat a été déchiré. Il a été annulé, c'est fini. Mais avec ce contrat-là, et ça se passe ici, au Gabon, plusieurs fois ça se fait. Et même encore, on peut te proposer de l'argent pour ça. Si tu es naïf, tu acceptes. Si tu n'es pas naïf, tu refuses. On utilise ta société pour sortir de l'argent de l'État. Ça se fait ici. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'explications? On utilise sa société pour faire sortir de l'argent de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une escroquerie que des gens seraient en train d'organiser contre l'État? Ça se passe comme ça au Gabon, c'est pas aujourd'hui. Je vis ici. Moi, je suis pas une société, je m'entends avec quelqu'un du Trésor. Il y a des coupures là, c'est mis en pause à chaque fois. Est-ce que vous pouvez répéter? On n'a pas entendu toute la phrase. Bon, je disais, au Gabon, ça se passe aussi comme ça. Il y a du business, on appelle ça du business. Le gars, il a une société. On fait reculer sa société, on fait des factures avec sa société, et le gars qui est au trésor ou je sais pas quoi fait sortir du pognon et il partage des gains. Le gars prend une partie, il travaille pas, il fait rien du tout. C'est que voilà pourquoi il y a beaucoup d'éléphants blancs au Gabon. Et ça se passe depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, lui, il avait déjà signé un contrat, il avait déjà mis son cachet de sa société. Donc, si demain il y a des poursuites, c'est lui qui sera poursuivi. Maintenant, il faut vérifier si ce contrat est passé ou pas, si l'argent est sorti ou pas, pour savoir si vraiment ce contrat a été vraiment annulé. Ça, il faut faire une vérification. À propos de ce contrat qu'il n'a jamais reçu. D'accord, mais dans la situation actuelle, que risque ce monsieur du coup? Justement, parce qu'il est inquiet aussi, et c'est ce contrat qu'il n'a jamais vu, on lui a dit que ça a été déchiré. Ça a été déchiré. Il n'a pas vu. On lui a dit qu'il y a du café qui a été versé dessus, voilà pourquoi. Après combien de temps, je lui ai dit? Mais explique, là. Après combien de temps? On lui a dit non, il y a le PCA qui doit signer, donc on va vous l'apporter, ou bien on va vous appeler pour venir récupérer. Après combien de temps? Quand il a insisté, on lui fait comprendre après pour non, il y
y a du café qui a été versé sur notre contrat. Mais il le dit très bien, un contrat, ça c'est un prime. Ça c'est un prime, ça on met un tampon, un cachet dessus et puis c'est fini. Voilà, donc maintenant il faut vérifier sur ce troisième contrat, est-ce qu'il a été activé ou pas. Ça c'est le contrôle d'État qui doit le faire maintenant. Vérifier sur ce contrat, et si M. Ricoula a ce contrat, une copie de ce contrat, ou je ne sais pas s'il a la copie de contrat, il peut faire vérifier si ça a été payé ou pas. Et deux fois, si la présidence, on paye, c'est un contrat, c'est une facture, il y a des montants en liquidité. Donc, on me sort, je donne l'exemple, je crois que c'est ça. On me sort 100 millions, la facture c'est 100 millions, le propriétaire arrive, je l'appelle, je lui dis, écoute, tu es le contacteur. Bon, j'ai pu t'avoir quand même 30 millions, je remets les 30 millions, bon, le reste, on va voir après, et puis moi, je récupère le reste. Et on te balance, et puis voilà. Après, il n'y a plus rien. Et ça a été toujours comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ce coup. Beaucoup de gens qui ont eu ce coup. C'est pas, monsieur, vous n'allez pas le premier. Il a été peut-être le plus courageux de parler, mais beaucoup de gens ont eu ce coup. Vraiment. Moi, personnellement, j'ai vécu aux États-Unis quand je suis rentré au Gabon. J'ai eu beaucoup de contacts. J'ai voulu créer une société ici. J'étais heurté à beaucoup de choses. Et puis j'ai laissé tomber, j'ai compris que ici ça sert à rien. Vous avez été heurté à quoi par exemple? Il y a des gens qui vous écoutent, qui aimeraient bien savoir comment déjouer le système peut-être. J'étais rentré en contact avec une société de distincteurs. Bon, pour ceux qui connaissent et qui se rappellent, ils vont se rappeler qui je suis. J'avais fait une démonstration au niveau de Port-Gentil. Avec toutes les grandes sociétés pétrolières, donc c'était des inspecteurs, mais moi c'était des inspecteurs à dos, à base d'eau, et d'un produit justement qui pouvait éliminer rapidement le feu. Après ma démonstration, tous les pétroliers n'avaient jamais vu ce genre d'inspecteurs, c'était vraiment très rapide. J'avais que 9 litres d'eau à mon dos, parce que ça c'est portable. Et ça te permettait de rentrer dans le feu avec. Et tu arrêtais le feu de 25 mètres de hauteur en moins d'une minute. Ils ont fait la même démonstration avec les gardes de Sogara et tout. Le même feu, ils l'ont arrêté avec 25 litres d'eau. Moi, je n'avais que 9 litres d'eau. Vu qu'ils avaient 25 litres d'eau. Quand ils ont vu ça, ils ont dit que c'était intéressant. Je ne vous cache pas que tous étaient intéressés. Mais l'ancien, un des gars, un gars pour nous, qui était très gentil, qui avait pu me retrouver avec elle après, qui était responsable à Total à l'époque, je ne même pas dire Total, qui était responsable à HEC, qui est venu me voir après pour me faire comprendre que mon frère, ton produit est meilleur, il est super, mais je ne te cache pas, on ne pourra pas le prendre ici parce que c'est pas un produit français. Il était vraiment déçu. Il m'a répondu que ce n'est pas un produit français. Il faudrait que Total donne l'accord ici pour qu'on puisse le vendre. Sinon, c'est des secteurs, tu ne pourras jamais les vendre. Ils étaient de quel origine, votre secteur? Ils étaient de quel pays en fait? Ils n'étaient pas français en fait? C'était pas français, c'était des produits allemands. Oh. C'était des produits allemands. Voilà. Et je vous dis, il y a à peu près 10 à 11 mois, je suis en Afrique du Sud, à Durban. J'ai un ami là-bas, donc on a rencontré des investisseurs. Je ne vous cache pas que j'ai été mouillé là-bas. J'ai apporté des petits fonciers de certaines personnes ici qui ont des hectares de terre. Ils m'ont dit, écoute, comme je suis dans l'immobilier, nous, on peut te donner nos petits fonciers comme garantie. Et trouve les investisseurs pour venir construire ta maison et consommer. Je suis allé à Durban, en Afrique du Sud. J'étais le seul noir. Sur ma table, il y avait au moins 9 blancs, sud-africains. Et mon ami sud-africain aussi, qui était noir. Donc, on était deux noirs. Sud-africains, qui sont dans l'immobilier, qui ont beaucoup investi en Afrique du Sud. Donc j'ai proposé le service du Gabon, j'ai amené les petits fonciers que j'avais ici, j'étais des hectares. Je lui ai dit, voilà, j'ai des gens qui sont prêts à mettre leur terrain en gage, tout ça.
Je veux que vous voulez investir ici tous les trois. On a fait tout un peu de monde d'accord. Enfin, il y avait un plan de travail avec l'autre sud-africain. Mais tout de suite, ils m'ont dit on veut bien, mais pas au Gabon. J'ai dit comment ? J'ai dit au Gabon, c'est un peu plus calme, il n'y a pas de guerre, c'est tranquille, c'est paisible, c'est pays de bête. Il dit oui, mais votre gouvernement n'est pas sérieux. J'ai dit non, ça serait privé, c'est pas une heure. On sait comment ça se passe. On commence à quelque chose, mais on ne termine jamais. Et certes, si tu veux pouvoir le faire ailleurs, au Congo, au Bénin, au Burkina, partout où tu veux, en Afrique, même les pauvres, parce que d'abord, je ne sais pas si c'est le game, le game, le game. Voilà, c'est la renommée que nous avons et vraiment, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. J'ai encore une autre anecdote, je vais vous donner celle-là aussi. J'ai des amis qui sont arrivés l'année dernière ici. Ils ne voulaient que de la terre comme garantie. Mais la seule condition, la terre, l'État devait donner cette terre gratuitement hein, et à leur nom, au nom de leur société, leur structure. Parce que ça, c'est leur garantie. Ils étaient prêts à faire 50 000 logements par 50 000 logements par an. Ils étaient prêts à le faire ici au Gabon. On nous a donné une zone d'un coq. Donc, il fallait mettre cette zone-là au titre foncier au nom de cette société. Je ne vais pas donner le nom, sinon les gens seront. On a trimballé presque un an. Parce qu'on ils étaient prêts à vendre les maisons à 15 millions. 15 millions de chambres et 18 millions de croissants. Tout ce qu'ils voulaient, c'est de la terre. Ils voulaient 500 hectares de terre. C'est tout. Le reste, ils allaient faire tout le travail. Ils amenaient leur matériel. Et ils garantissaient 2000 emplois. 2000 emplois à tous les Gabonais dans chaque province. Parce qu'ils voulaient faire le tour des 9 provinces. Libreville, Outaouais. Là, moi, le Goué, Maïta, c'est 9 provinces. Mais il devait faire chaque année une province. 2000 emplois assurés. Ils amenaient 17 ingénieurs. Ça, c'est eux-mêmes. Ils amenaient leur équipe, c'est 17 ingénieurs. Qui construisaient une base. Ils avaient même fait une réservation en coq. Les terres en coq. Pour faire la base. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était juste le titre foncier au nom de leur société. On l'a même imposé que la société ne peut pas donner un titre foncier à une société qui n'est pas installée au Gabon. Ils ont même ouvert une société au Gabon. Uniquement, ils n'avaient pas payé propre. Malheureusement, l'État était incapable de leur donner un titre foncier, etc. Ils sont repartis. D'accord. Ils sont en train de construire en Guinée qu'on a créé. C'est la même société. Avec le même projet. C'est mon pays, j'ai vie, je suis ici, mais c'est difficile de faire des affaires au Gabon. D'accord. J'ai deux pères qui sont aux États-Unis, il m'a dit oui, mais pourquoi le jeune Rekoula ne prend pas un crédit pour relancer son affaire, tout et tout. Je lui dis une chose. Le crédit au Gabon, les banques ne connaissent pas le sens des crédits. Ici, il faut garder l'argent des gens, c'est tout. Et on prête aux riches et on prête aux étrangers. D'accord, merci, monsieur Rodolphe, merci de votre témoignage. Je suis obligé de couper court parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement, pour cette émission. Merci beaucoup. Je sais que vous nous appelez depuis le Gabon, c'est difficile. Merci à vous d'avoir apporté ce témoignage. Juste restez avec nous, on va prendre peut-être des personnes qui souhaitent rebondir. Je vais prendre Apôtre et puis on va prendre Stéphane par la suite. Apôtre. Oui, merci là. Oui, pour revenir sur le cas de M. Rekoula, comme l'a dit mon prédécesseur, il fait un contrat, il cachette, il envoie. Je ne sais pas si ça s'est passé de manière électronique, mais le fait qu'il le cachette de son côté, ça ne donne pas la validité au contrat. Il est allé trop vite et on sait
Le monsieur qui vient de parler, lui-même l'a dit, au Gabon, en fait, si tu n'as pas de contact, tu ne peux pas avoir accès à un certain nombre de choses. C'est du réseautage, bon, un peu comme partout dans le monde. Mais justement, par rapport à ces réseaux, je pense qu'il allait vite en besogne. Malheureusement, il allait vite en besogne. Bon, on peut pas, on va pas réinventer la roue, on va pas revenir sur le truc, mais sur ce qu'on lui demande, ce qu'il reste à faire aujourd'hui. Effectivement, l'ambassade de France, ça lui donne la sécurité, justement le fait de ne pas voir ses droits violés. Bon, maintenant, si sa crainte est que le contrat n'ait pas été déchiré et que, les sous soient sortis, il sait comment ça se passe au Gabon. Au Gabon, ça se passe comme ça. Quand il fait un contrat avec la présidence, il sait, je l'ai dit tantôt dans mes propos d'introduction, que justement, il y a une double facturation. Il sait à quoi il s'engage, il y a une double facturation. Lui-même, dans ses témoignages, il dit qu'il y a même certaines de ses affiches qu'on a faites avec l'entête de Gabon 24. Et c'est pourquoi ça a été fait avec l'entête de Gabon 24, c'est parce qu'il y a une double facturation. Donc, ce qu'il a à faire maintenant, c'est d'aller, il faut qu'il se présente avec son avocat, avec un huissier, il imprime tous les documents qu'il a. Et maintenant, si il s'avère que on lui réclame des sous qu'il n'a pas encaissés, ben là maintenant, il verra avec ses avocats et sa défense. Mais on ne fait pas les affaires comme ça. On ne fait pas les affaires comme ça. Allô. On ne met pas la charrue avant les bœufs en affaires. Ok, merci beaucoup, Apo. J'aime pas comme tu fais ça, hein. Laissez Apo terminer. Apo terminer. Allô. Apo, vous avez terminé? Oui. Ouais, allô, j'ai terminé. Okay, merci. On va reprendre Monsieur Gilbert. Allô, vous avez entendu? Allô, vous m'entendez? Oui. Ok, attendez, passez un instant. On va prendre Stéphane. Allô, Stéphane. J'ai oublié. Oui, allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir aux auditeurs. Bon, moi, je viens à peine de prendre le live en route. Bon, moi, ce que je voulais rajouter, c'est par rapport, en fait, à l'action en justice. Déjà, tu peux pas mener une action en justice si déjà la forme du contrat ne respecte pas les modalités du contrat. C'est-à-dire que comment tu veux être en justice lorsque la forme du contrat n'y existe pas? Et la forme du contrat, ce qui donne la force à un contrat, c'est la signature. C'est la signature. Dès lors que tu n'as pas ça en main, tu ne peux pas être en justice. Et maintenant, le second cas, c'est que, en fait, même s'il a la double nationalité, l'infraction, bien, la chose, les faits qu'il est en train de relater, s'est passé sur le territoire gabonais. Donc, il ne peut pas jouir de la double nationalité. Il n'y a pas une double juridiction sur la double nationalité, ça n'existe pas. Donc, c'est la nationalité effective qu'on va prendre, étant donné que c'est lui qui a été en justice, je crois, selon les dires de la personne, c'est lui qui a été en justice, je crois. Et donc, c'est lui, en fait, qui accuse, et c'est à l'autre de se défendre. Donc, je crois que c'est dans cette perspective-là que je crois qu'il a... Il a mal fait, il n'aurait pas dû s'engager sans avoir le contrat signé et que le contrat était bel et bien signé par les signatures qu'on voit que c'est une autre personne alors que machin, les signatures électroniques, c'est un contrat où il y a les parties, il y a bien les représentants de ces parties-là, ils sont là devant, on les appelle comment les notaires. On le signe devant un notaire, le notaire est là, il signe, et puis voilà, c'est l'authentification du contrat. Mais dès lors qu'il n'y a pas ça, je trouve que, bon, on est en train de parler et puis bloquer, okay, ça ne va rien changer. Mais est-ce que c'est pas dû à un manque d'expérience, par exemple? Parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver à nous tous qui sommes là, un manque d'expérience, un contrat mal lu, ça tout peut arriver. Il suffit d'une virgule de travers pour que le contrat ne soit pas valide. C'est ça. En fait, il n'aurait pas dû. En fait, c'est un avis de culpabilité. C'est-à-dire si moi, je viens à respecter
un contrat qui n'est pas signé, ça veut dire que c'est comme si, en fait, je reconnaissais en fait la légitimité de ce contrat, alors que tu sais très bien que l'autre partie n'a pas signé. Donc, tu ne peux pas venir faire une prestation sur quelque chose que tu sais très bien que l'autre partie n'a pas signé, ne s'était pas engagé complètement. Donc, il a vraiment très mal fait et c'est mal pris. Et voilà, je pense qu'il va tirer des leçons et puis voilà. D'accord, merci, merci, merci Stéphane, merci beaucoup. Alors, il y a Bernard lui-même, hein, la personne de qui on parle actuellement, qui vient de nous laisser un commentaire sur notre page Facebook de ce live, qui nous dit donc bonsoir et merci pour votre soutien. Donc il laisse un autre commentaire et il parle d'un autre compatriote là. Il dit vous avez également le cas de Marie-Noël et Sokamba, je crois que c'est ça, qui a subi également un non-respect de son contrat de la part de la direction de Gabon 24. Donc en gros c'est pas la première fois que ça arrive. Donc c'est Bernard lui-même qui vient de mettre un message. J'espère que Bernard si nous écoute encore, qui pourra venir témoigner au cours d'une autre émission pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Okay. On aura des questions à lui poser. Alors, on va prendre Rebond, Gobam, et puis on va prendre Gilbert par la suite, et puis on va se diriger vers le mot de fin. Oui, Gobam. Je pense qu'il est un peu injuste de vouloir faire porter le tort à cet homme. N'oublions pas que avant que l'écriture existe, les hommes avaient des contrats sur la base de leurs paroles. Voilà pourquoi on parle d'un homme de parole. Et dans certaines juridictions du monde, à part en Afrique, hein, mais en tout cas en Amérique, la loi considère les contrats basés sur le verbe. Donc si toi et moi, Alain, on a un accord ensemble, hein, si tu reconnais qu'il y a eu accord, et s'il y a même des témoins, ou peu importe, sur la base simplement d'un accord verbal, je peux te porter plainte si tu ne respectes pas ton engagement. Sinon, ce serait la catastrophe, n'est-ce pas? Donc, c'est clair que dans le monde du business, il faut être rigoureux, mais il a fait confiance en sa parole. Elle lui a dit, écoute, je te paierai, ça va être signé. Donc, c'est un abus de confiance. Et sur la base de ce qu'elle a dit, elle peut être poursuivie dans des pays qui se respectent. Donc, on ne va pas jouer à ce jeu de vouloir jouer au super, super légaliste, alors qu'on sait qu'au Gabon, les affaires se basent surtout sur la confiance. Même dans un pays comme le Gabon, M. Gobam. J'en arrive. Mais ce n'est pas de sa faute si le Gabon est un pays pourri où une directrice d'une télévision à la présidence se comporte comme une criminelle, hein, où elle abuse la confiance des Gabonais avec qui elle travaille. C'est pas de sa faute. Moi, à sa place, j'aurais fait pareil. On appelle ça la bonne foi, la bonne moralité. Maintenant, si c'est la guerre des mondes, on est tous des requins, alors il n'y a pas de problème. Donc, en un mot, hein, on peut pas vivre dans un climat où on doit à chaque fois faire attention, parce que quand on traite avec l'État gabonais, on peut se faire mordre. C'est l'État qui a un problème. L'État n'est pas un serpent. L'État ne doit pas avoir une attitude de prédateur. L'État a le devoir d'avoir une probité morale avancée. C'est l'État qui enseigne le peuple. Donc, si maintenant on a affaire à un État voyou, où il faut absolument se protéger à la lettre et à la virgule, il n'y a pas de problème. Mais que l'État aussi accepte que dans le monde entier, les relations des hommes ne sont pas toujours basées sur des choses écrites. Il leur a rendu un service, elle a demandé une faveur. Ce n'est pas lui qui a dit, écoutez, je fais le travail, paye-moi plus tard. C'est elle qui l'a supplié. Hein, qu'écoute, rends-nous service, il va signer le papier. Donc c'est de l'abus, c'est un crime ce qu'elle a fait. C'est une manipulatrice. Cette femme-là, c'est une véritable sorcière, cette femme-là. Mais alors, donc, pourquoi lui aussi, il a continué à travailler Oui, allez-y, termine. Pourquoi il a continué à travailler? Il a même pas reçu la moitié de ce qu'on levait. Il a continué quand même à travailler. Parce qu'il est un Gabonais. Il est patriote. Le sens du patriotisme l'a poussé à travailler pour sa nation. C'est l'État qui est voyou. C'est elle qui est sorcière. Voilà. Il est Gabonais. On appelle ça le sacrifice. Il est au Gabon. Je suis convaincu qu'à l'étranger, il aurait agi différemment. Mais pas avec sa présidence, pas avec le Gabon. C'est elle qui a un problème. La présidence qui a un problème. Donc ce sont ces gens-là qui ont des manquements de moralité. Ça arrive tout le temps dans le monde. Ou sur la base du verbe, on échange, on s'entend et après on signe. Mais qu'on se protège, c'est qu'on est dans un milieu hostile où il y a beaucoup d'escrocs. Donc aujourd'hui, on a compris qu'au Gabon, de la présidence jusqu'à un moment gâteau, tout le monde est escroc. Il a appris la leçon, mais je ne peux pas le condamner pour ce qu'il a fait. Beaucoup de Gabonais auraient fait pareil, par amour pour leur pays.
rendre une faveur au Gabon, c'est quelque chose de bien. C'est un sacrifice qu'il a fait, lui et son équipe. Ils nous paieront quand ils pourront, on avance. Si on devait être à la lettre, quand un fonctionnaire gabonais n'est pas payé, il n'irait pas au travail. Ah oui, parce que c'est dans les deux sens. Lorsque au Gabon, il y a des problèmes de paiement, on voit des Gabonais qui prennent leur taxi, ils vont au travail, ils travaillent. Malgré que l'État a failli à les payer à temps et à l'heure. Alors, donc, c'est dans cette même logique qu'un prestataire qui aime son pays ne peut pas se refuser de faire un travail qui peut faire avancer le Gabon en attendant qu'on le paye, sur la base de la confiance qu'il a envers l'État, envers les gens que l'État nomme à ce genre de position. Sinon, si c'est comme ça, prochaine fois que l'État gabonais manque à payer un Gabonais, qu'il n'aille pas au travail, qu'il reste chez lui. Et on verra à quoi le pays va ressembler. Franchement. On va prendre la remarque d'Apôtre. Apôtre, il y a une remarque intéressante là, Apôtre. Attendez, Gilbert, attendez juste une seconde, juste pour la remarque d'Apôtre. Hein. Allez-y, Apôtre. J'ai pas envie de perdre. Je veux rester sur l'idée de Gobam. Allez-y. Allô. Oui, allez-y. Voilà, ce que je vais dire, c'est que, Georges, si tu as peur des mots, moi, j'ai pas peur des mots. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a bel et bien une situation. Et nous avons un frère, un compatriote qui est dans une situation délicate, difficile, et qu'il attend de nous, pas seulement de faire cette émission, mais le sens de cette émission, c'est d'attirer l'attention, d'alerter, et de montrer que le peuple gabonais n'est plus ce peuple d'il y a depuis 67, à Omar Bongo, Ali Bongo, et toute l'opposition Mutuki. Ce que nous devions faire, c'est que cette dame n'est pas à son premier coup, il y a jusqu'à une personne décédée, des personnes virées. Il faudrait que de sortir de cette émission, les Gabonais comprennent que l'objectif de Sans Tabou ou du balcon de notre frère Moulinda est de permettre aux Gabonais de se réveiller. Moi, je dirais ceci. Demain ou après-demain, ce jeune homme sera convoqué à la DGR. Que tous les Gabonais se tiennent prêts. Covid-19 ou pas Covid-19, c'est assez dit la baleine au cachalot. C'est même beaucoup trop. On ne peut pas que ce soit encore Aïk Ngoni qui roulait, s'il était en liberté, qui roule son frère gabonais, mais qu'une viocre, une chiffonnière de blanche, on n'est pas la colonisation, qui se permet de mener un bateau. Attention au langage, monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai rien à foutre de ce que je dis, monsieur. Je dis que ce qui se passe, il y a eu des décès, cette dame devait répondre de ses actes. Si le tribunal, si nos autorités sont corrompues, le peuple gabonais n'est pas corrompu. S'il arrive quoi que ce soit à ce jeune homme, j'appelle le peuple gabonais du Gabon de se lever et d'occuper la DGR et au besoin d'encercler le domicile de cette dame et de demander la libération ou justice. Quand bien même, je reconnais que mon compatriote a fauté. Je vous le dis, c'est pas la peine, Gobam, de mâcher les mots. C'est un homme d'affaires. Vous avez vanté ces multiples contrats. Dans les autres pays, ça ne s'est pas passé parce qu'il a respecté les règles de l'art au droit des affaires. Donc, il ne détient pas un contrat justifiant les réclamations dont il fait part. C'est ça le débat. S'il va au tribunal, la partie adverse demandera le contrat. Qu'est-ce qu'il peut prouver qu'il a déposé un contrat avec déjà signé, pré-signé de lui? Mais cela ne donne pas le droit à cette dame, à l'État gabonais, parce qu'il ne s'agit pas de la présidence comme vous voulez le faire comprendre, ou du PDG. Il s'agit de l'État gabonais, représenté par ses administrateurs qui ont roulé, enfariné l'entrepreneur en sous-facturant, en faisant sortir de l'argent dans les caisses de l'État, moyennant des projets, moyennant des devis, moyennant des prestations, et avec leur réseau que je connais, l'argent est bel et bien sorti entre le PCA qui se trouve en prison, entre Brice Latruche et cette bonne européenne qui se croit au temps colonial, qui a décidé de mener à bien ses affaires au Gabon via le contribuable gabonais, l'argent a disparu. Où est-ce qu'elle trouvait l'argent pour le payer? C'est ça la question, parce qu'il a perçu des sommes. Mais ces sommes ne venaient pas de la poche de cette dame. Cette dame n'est pas riche, elle n'est pas Gabon 24. Ces sommes sortaient bel et bien du trésor public. Malheureusement, ce monsieur,
Je ne sais pas s'il a fait preuve de naïveté ou il a fait preuve de cupidité parce qu'il était dans le copinage, mais quand on me paye 3 fois ou 4 fois, je sais que c'est de l'argent qui m'appartient, que je ne négocie pas, qui vient des caisses de l'État, c'est-à-dire des prestations que j'ai faites. À partir du moment où il n'a pas arrêté ses prestations, il a poursuivi, il était dans le copinage. En tant qu'avocat ou juriste ou procureur ou délégué du procureur, je somme en disant que ce monsieur était dans du copinage et même qu'une enquête devait être menée sur lui. On devait même ouvrir une enquête sur lui pour savoir comment a-t-il eu le contrat. Et même, est-ce qu'il y a eu appel d'offres? Parce que ce n'est pas une affaire de la présidence, comme vous voulez le faire comprendre. Il s'agit de l'État gabonais, représenté par le ministère de la communication. Le ministre de la communication devait être entendu dans cette affaire. Il devait être entendu dans cette affaire. Et la HAC devait normalement se mêler de ça pour savoir si ce monsieur dispose bien de toutes les autorisations lui permettant d'exercer dans ce domaine. Est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art, dans les normes? Est-ce que le service, est-ce que les prestations de ce monsieur conviennent avec les normes établies dans la réglementation législant les mécanismes de communication en République gabonaise? Parce que ce monsieur se vante d'avoir fait, je dis, hein, c'est un petit frère, et Rekoula, c'est un mien, comme moi. Mais je m'en fous. Si on veut que ce pays change, nous devons être les premiers à taper du poing sur la table. D'accord. Et ça doit se faire bien ou pas. Merci, merci, donc, merci, merci. Ce monsieur merci, ne monsieur. Peut pas me dire que si on contrôle les prestations qu'il a faites, il peut y avoir des manquements. Donc merci. Le ministère de la communication devait normalement se rendre sur les lieux pour savoir exactement qu'est-ce qui a été commandé, qu'est-ce qui a été fait. Tout à fait. Et évaluer le travail par rapport aux factures qu'il réclame. À partir de ce moment, c'est justifié. Est-ce que son agrément est conforme? À partir du moment où on aura mis tout ça sur table, ça peut nous permettre éventuellement d'affronter nos adversaires. Il ne suffit pas, mes chers frères, de jeter la pierre. Bobam, tu sais que les Gabonais sont interdits de passeport. Tous ceux qui revendiquent n'ont pas de passeport. Mais moi, j'ai eu mon passeport. Je ne suis pas allé avec un panneau devant l'ambassade. Je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux. Je me suis adressé aux autorités françaises qui accueillent l'ambassade du Gabon, qui ont fait un courrier à Enongwe. Enongwe m'a établi. Enongwe m'a établi mon passeport. Waouh, je t'ai déconnecté. Allô, je pense qu'il y a eu un problème sur Skype. T'es déconnecté. On a été déconnecté sur Skype. Attendez, je vais rejoindre le forum. Il se passe quoi là? Que se passe-t-il? J'ai de l'argent avec Brice Lacruche et Anne Gouni et cette bonne dame qui est peut-être. En tant que directrice, on lui a remis l'enveloppe pour remettre au gars. Elle s'est dit, les Gabonais ont pris leur part, je prends ma part et puis quoi encore? Mais c'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps, Georges, tu le sais. Le Jean Ping qui a fait disparaître deux valises. D'accord, merci monsieur. C'était fait, on n'a jamais retrouvé les traces de ces deux valises. Ça n'a jamais été, c'est bien quand même deux valises qui ont disparu à son hôtel. Mais ça a toujours été ça. D'accord, merci monsieur Gilbert. Merci monsieur Gilbert, on a compris ce point. Merci à vous. Alors, justement, il y a Bernard qui nous a quand même écrit, hein, qui dit effectivement, c'est une grande leçon que j'ai eue, mal m'en a pris. Donc, dit Gilbert par message sur Facebook. Alors, également, il dit quoi encore? Il dit, il y a eu 3 contrats, dont 2 signés. Et il dit également, elle reconnaît à travers nos mails la signature de ce contrat. Bon, j'espère que Bernard pourra nous rejoindre une fois que peut-être la procédure sera lancée, ou je sais pas, peut-être faudrait voir avec vos avocats, votre avocat, si vous en avez un, pour savoir quelles sont les procédures que vous devez mener, et si vous pouvez venir sur les réseaux pour expliquer ce qui ne va pas. Alors, je pense qu'on va passer, au mot de fin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient rebondir. Là, je voulais dire quelque chose. Hein. En fait,
vraiment, ce qu'on doit dire, c'est que nous ne sommes pas devant un procès incusateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de récuser hein, les propos de notre frère. On ne les récuse pas. Tout simplement, c'est qu'on est en train de dire, on est en train d'analyser sur le principe du droit. Est-ce que le principe du droit, de la règle de droit, a été respecté? Et bel et bien, quand on regarde les faits, non. Ça n'a pas été respecté. Comme disait Bouba, en fait, quand on parle de contrat, en fait, à l'époque, dans l'époque romaine, on avait ce qu'on appelle la parole donnée. Mais nous ne sommes plus à l'époque romaine. Le contrat, ce n'est plus un contrat de parole, mais c'est un engagement écrit. C'est-à-dire qu'il doit avoir des signatures. Sur ce fait-là, il n'y a pas de discussion qui s'y est. C'est le contrat, un point, c'est tout. Parce que si un contrat déjà relève, comme disait le frère du copinage, ce n'est pas un bon contrat. Parce que le contrat nécessite trois éléments. Il faudrait que ce soit avec un consentement éclairé. Il faudrait que les clauses de ce contrat doivent être licites, c'est-à-dire le contenu du contrat doit être licite. En plus de ça, il faut la capacité de celui qui signe le contrat. Déjà, quand on regarde tout ça, au regard de tout ce qui sort, il n'y a pas des éléments à charge contre les personnes que le monsieur veut déposer plainte. Il n'y a pas des éléments à charge, puisqu'il s'est vide. Le contenu est complètement vide. C'est-à-dire, comment on va défendre quelqu'un dont on ne sait pas s'il a les preuves du contrat qu'on est en train de parler? Attendez, parce que il dit dans les commentaires là, tout à l'heure sur Facebook, il dit qu'il y a des échanges de mails. Il y a des échanges de mails qui... Qui confirme la signature de ces contrats. Non, c'est lui qui le dit. Non, attends, si tu emploies les mails et un contrat, c'est deux choses différentes. Si tu veux rester en justice, il te faut des éléments de preuve sur le contrat. Si tu vas dans un tribunal, le tribunal par exemple de première instance, si tu vas déposer, c'est une plainte sous la forme de quoi? Tu inclus le contrat. C'est un contrat qui lie deux individus. On n'est pas dans la spéculation des mails. Les mails, ça ne veut rien dire. Non, les mails, ce n'est pas de la spéculation. Les mails, ce sont des preuves. Ce sont des preuves. Non, mais le problème, c'est un mail aujourd'hui dans l'administration, peu importe, c'est une preuve aujourd'hui, un mail. Attention. Le problème, c'est que son contrat doit être signé. Il dépose la plainte sur quoi? Sur la base de quoi? C'est pas sur la base des mails. Il dépose la plainte sur la base de quoi? D'un contrat non respecté. C'est le contrat non respecté. Donc, quand il va aller devant une justice, c'est le contrat non respecté. Mais est-ce qu'il a les preuves? Est-ce qu'il détient le contrat en question? C'est ça le problème. Pour défendre quelqu'un, il faut avoir les éléments en charge et à décharge. Mais si tu n'as pas les éléments en charge, tu vas défendre la personne comment? Tu peux pas. On est dans un fou. La justice ne requiert pas qu'il faut qu'il y ait un contrat pour ton travail. Si tu vas dans un restaurant et que tu payes pour à manger et que le cuisinier n'a même pas la nourriture, écoute, il n'y a pas eu de contrat, tu peux le porter plainte. Donc, il y a aussi un côté moral que la loi prévoit. Il y a un contrat, du moment que tu payes, c'est un contrat. Si tu as payé, il faut une preuve. Si on peut prouver qu'il y a eu arrangement des deux parties consentantes, il y a raison de recevoir la plainte. Le contrat, il a été établi de gré à gré. Hein. Oui, mais de gré à gré. Si elle ne respecte pas le contrat de gré à gré, elle, c'est criminel pour elle. C'est elle qui est dans les problèmes. Attendez. On va écouter Apôtre, s'il vous plaît. Parce qu'on va arrêter de spéculer. Apôtre, après, je pense qu'on va aller au mot de la fin. Apôtre. Oui, il ne s'agit pas d'incriminer M. Rekoula. Hein, mais c'est juste conscientiser. Parce que, en fait, M. Rekoula, il dit qu'il a fait un travail. Le travail qu'il a fait, je m'excuse, au Gabon, tu ne vas pas survoler le Gabon sur tes fonds propres. Il y a des sous qui sont sortis de quelque part. C'est-à-dire, survoler le Gabon, c'est pour faire des vidéos. Évidemment. Écoute, moi je sais, moi j'ai fait des contrats avec la présidence. Comment ça se passe? Tu as quelqu'un, mettons si c'est Ike, on fait la facture, le gars prend l'argent, il décaisse de la caisse de la présidence, il te donne ta partie et il garde la sienne. C'est comme ça que ça marche au Gabon. Bon, maintenant, peut-être que dans leur arrangement, ils devaient avoir plusieurs versements. Et sur les autres versements, les gars l'ont bondi.
mais il va pas me dire que c'est sur ses fonds propres qu'il a survolé le Gabon pour filmer. On s'entend qu'il y a de l'argent qui est déjà sorti de quelque part. Et il y a eu un partage d'argent. Cet argent ne venait pas de la directrice, ça venait bien des caisses de l'État. Oui, ça venait directement des caisses qu'ils ont piochées dans la caisse noire. C'est-à-dire qu'ils sont allés vendre du vin au chef de l'État, et à partir des premières vidéos, ils ont vendu du vin, le chef de l'État a décaissé, et eux, ils ont volé, ils ont bouffé leur ami. On leur a donné un versement, et sur le reste, on lui a promis d'autres versements. Attention, là, attention, on ne faut pas spéculer ici, attention. Hein. Attention, bien, que, je suis gabonais, on est tous gabonais. On est tous gabonais, mais lorsque vous dites qu'il a fait, vous avez pas de parler. Écoute, si monsieur Rekoula est là sur le chat, il va te dire. Il est connecté, il dit qu'il n'y a pas eu de communication. Son message est là. Il dit. Il ne va pas dire qu'il a survolé le Gabon, je lis son message, monsieur. Il dit copinage, non, justement, et je vous ai dit comment j'ai obtenu légalement ce marché. C'est lui qui le dit. Bien. Moi, je m'aimerais ajouter quelque chose, s'il vous plaît, qui va vous éclairer. Regardez, la présidence ne peut pas avoir payé ce monsieur. Cette dame française n'a pas sorti de l'argent de sa poche. Le Gabon 24 n'avait pas de budget. Cet argent qu'on lui a donné venait d'où? Il devait se poser la question. Ça venait du trésor. C'est de l'argent de l'État gabonais. Donc, il recevait de l'argent de l'État gabonais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les affaires ont mal tourné, avec Ngoni en prison, Brice en prison, vous comprenez que les autres paiements sont bloqués. Parce que ça sortait comme ça rentrait. Là, vous êtes en train de nous dire que... Non, mais attendez. Vous êtes en train de nous dire que M. Bernard Christian Rekoula faisait partie d'un réseau, c'est ça? Non, c'est pas ce qui est dit. Il a fait. J'essaie d'être clair. Je suis là pour poser des questions. C'est des gravités que tu avances. Regardez, je vais clarifier une chose. Je vais vous dire simplement une chose. Je suis allé déjà au trésor chercher de l'argent, rien qu'avec la signature du ministre, avec des besoins qui n'avaient rien à voir. Je suis déjà allé au trésor chercher de l'argent avec la signature du ministre en tant qu'administrateur de crédit. L'argent est arrivé et les besoins n'étaient pas justifiés. Mais il y avait une caisse noire du cabinet qui nous était remise les vendredis. Donc comprenez-moi que le Gabon 24 n'avait pas d'argent pour payer ce monsieur. Il le sait très bien lui-même, Rekoula. Il n'a pas traité avec la présidence, il a traité avec l'État gabonais. Quand bien même cette entité pouvait être sous l'autorité du président de la République, c'est pas le président qui le payait, c'est l'État gabonais, c'est-à-dire le trésor public. Du moment où il a reçu de l'argent des mains de ses protagonistes, il devait déjà savoir qu'il y aura une suite à payer. Mais cette suite a mal tourné parce qu'à la tête de ce projet, de cette entité, il y avait des voyous. Un voyou qui est en prison, un deuxième en prison, il ne manque plus que Ali Bongo lui-même en prison, dans sa tombe, il ne manque plus que cette blanche en prison et toute la racaille de la République. C'est tout. Maintenant, si M. Rekoula veut son argent, il va tout simplement souffrir de patience et de s'armer de patience. S'il dit qu'il a financé une partie des projets de son argent, eh bien, finance-toi 4 avocats, prends 2 Français, il n'avait qu'à prendre 2 Français avocats. Au Gabon, il y en a. Il prend 2 Gabonais, au moins il sait qu'il est en sécurité pour son intégrité physique. Et puis l'affaire suit son cours et tous les Gabonais se tiennent derrière lui. Et puis cette blanche, on va lui régler ses comptes. Et puis c'est tout. Attention, elle est quand même chez nous, non? Attention, pas d'appel à la violence, s'il vous plaît. Pas d'appel à la violence. De caresser. Alors, c'est un Gabonais qu'on amène. On comprend, monsieur. On va se diriger vers le mot de la fin. On va se diriger vers le mot de la fin. Merci à tous ceux qui ont participé. J'ai dit aux Gabonais de ne pas lâcher cette affaire, de se tenir derrière le frère et puis de savoir que nous n'allons pas laisser cette affaire. Nous serons derrière le frère et c'est tout. Voilà. Très bien. Merci, Gilbert. On sent Gilbert très remonté.
ce soir. Merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup pour votre intervention. Dites à cette blanche qu'elle peut être avec les Congos. Hein. Elle n'aura jamais la peau noire. Dites bien à cette blanche qu'elle pourra traiter avec les Bongos, elle n'aura jamais la peau noire. Si elle veut que je la lui peigne, sa peau sera peinte et elle saura ce que c'est un Africain, le Gabon. Merci Gilbert, et je voudrais quand même rappeler ici que les propos de Gilbert n'engagent que Gilbert lui-même. Donc il y a un message quand même pour Apôtre Bernard Rekoula qui donne un message à Apôtre qui dit « Vraiment Apôtre, vous semblez être habitué au malfrat. Si vous me connaissez, vous saurez que je fais le tour du Gabon depuis 10 ans. » Ça c'est un message pour Apôtre. Je peux pas lire tous les commentaires. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires, tous ceux qui donnent leur avis. Voilà. Donc, on aurait bien voulu également avoir un juriste, un avocat ou quelqu'un qui se connaît bien, très 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 bien en droit du travail ici pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce contrat. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à tous les intervenants de ce soir. Merci à tout le monde. Cédric, tu veux peut-être dire un mot? Cédric. Oui, merci. Là. Alors, le débat est parti pour moi un tout petit peu dans tous les sens, dans l'analyse du contrat ou pas. Mais je pense que ça, c'était important le sens où nous tous qui voulons, nous qui voulons aller entreprendre au Gabon, on tiendra compte de cette information-là. Comme il a dit, ces deux contrats ont été signés. C'est le troisième qui n'a pas le document signé, mais par contre, mais je pense que ça fait quand même valeur de droit. On est peut-être pas juriste, mais on a tous quand même fait un peu de droit à l'université. Moi, je pense que ça devrait aller pour lui. Il faut juste qu'il s'arme de courage. J'espère que tout se passera bien du côté du B2. C'est tout ce que je peux dire, c'est beaucoup de courage et nous te soutenons. Cette histoire me dépasse. Là. Je vais m'arrêter là. Je suis prêt. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à vous tous. Non, ma chère, ça va aller. Du courage, hein. Du courage. Merci à tout le monde. Ce que je pense, c'est qu'il faut voir il faut voir maintenant comment, clore ce dossier-là. Parce que une chose est certaine, vous n'allez pas rentrer en possession de tous vos fonds. Ça, c'est certain. Donc, c'est maintenant voir comment, à l'amiable, au moins rentrer dans les dépenses qui ont été faites et puis faire tourner cette page. Si ça arrive en affaire vraiment que l'on sorte perdant, que l'on soit déçu, que l'on se fasse arnaquer, mais qu'il ne s'arrête pas là-dessus, quoi. Qu'il tourne la page. S'il peut rentrer dans ses fonds de dépenses, rembourser ses dépenses, au moins, moi, c'est la seule chose que je lui souhaite. Le second truc, c'est de contacter le ministre de tutelle. Contactez le ministère de tutelle, envoyez, bon là encore, vous dites que vous n'avez pas de relation, ça va être difficile pour vous de faire parvenir justement quelque chose au ministre de la communication, parce qu'au Gabon, il faut malheureusement un réseautage. Pour ouvrir des portes, il faut des gens. Mais essayez de contacter le ministre de tutelle, harcelez-le par des mails. Il a des réseaux, il a fait comment pour arriver à la présidence, pour avoir un marché de Gabon 24, il faut qu'on arrête de plaisanter. Puis, en tout cas, si... merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. Il s'appelle Rekoula. Il y avait un Rekoula, directeur général adjoint de l'OPRAG. Alors, j'espère que c'est pas la même famille. Il a des réseaux. Amiani. Oh, les Kiza. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, Igor. Il faut appeler Michel Essongué. Il faut appeler Michel Essongué. Il va régler ça. Faut appeler Michel Essongué et puis on s'en fout, on fout le bordel. Très bien, merci. Merci Gilbert qui était également avec nous ce soir. Merci à tout le monde. Je vais vous souhaiter une agréable soirée et beaucoup de courage aux frères Rekoula pour ce qui lui est arrivé. Merci à tout le monde et puis bonne soirée.